Allô? Ah, j'ai même pas encore annoncé le live, c'est quoi cette merde? Allah! Allah! Eh oui! N'oubliez jamais de commencer tous vos streams en rendant vos hommages, bien sûr, à notre au très haut. Arrête! Ça a été tes premiers mots sur le premier stream de l'année, hein. Putain, j'avoue, j'avais oublié le côté symbolique. Merde! Ton premier mot! Ton premier mot sur le live, premier, mon premier live 2003, c'est Allah! Alors, t'as dit quoi? J'ai dit les musulmans me like tous les jours. Alors. Pas faux. C'est juste réel. Attention. Je vais renverser tout ton eau partout. Non! Eh si! Ah non, merde. Oh! Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est moi. Guy? Accompagné de... Eh oui. Et oui, nous sommes de retour pour vous jouer des bons tours. Putain, ça rime. J'avais jamais remarqué que ça rimait. De retour pour vous jouer un mauvais tour. Tout rime. Afin de notre pouvoir jusqu'à la Voie Lactée. Avant de machin l'amour et la vérité. Ouais, mais je pensais qu'il se foire au début parce que c'était nul, tu vois. Mais non, ça rime. C'est même, c'est le même mot. Comment ça se fait qu'ils aient pas été poètes? Mais en plus, James, il a une rose en bouche, du coup, il est romantique. Regarde, remets tes cheveux. Eh non, je les ai perdus, les gars. Eh oui. Je les ai offerts à Noël. On a tous les deux mangé nos cheveux. Ouais, respectivement. Devinez quel goût ça avait. Ça goûtait. Selon vous, quel goût ont vos cheveux? Toi, ça coûtait le bagel. Le bon bagel ou le Parce bagel, genre un peu nul de supermarché? Moi, ça coûtait quoi? Mais elle vient d'être antisémite, là. Vas-y, sois raciste, quel goût avaient mes cheveux? Bonsoir Zax, Zax. Je pense que tes cheveux ils avaient un goût. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Merci Gary Nardin d'avoir offert tous ces subs. Je suis encore malade, alors, maintenant j'ai mal au poumon. Alors, ce n'est pas un don, un dessin, mais je vous encourage à faire des dons. Oh, je suis en train de mourir. Ça va, tout va bien. Parce que j'ai besoin d'argent. Bonsoir, et faites tous les dons. Allez, gardez un peu parce qu'un jour je vais faire un stream et donc du coup faudra donner de l'argent là. Non, donnez à moi. J'en supplie. C'est terrible. Alors, aujourd'hui. Merci qui dit mieux? Parce que je viens de me... Toi, que va de me qui va dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit? Qui dit tu arrêtes? Qui dit c'est... Qui dit tu cesses? Oh, MG. Putain, qui dit... Attends, mais 20 fois combien c'est quoi? 4 euros un sub? Hein? C'est 4 euros un sub. Je suis bourré. Oui. Ça fait genre... C'est cher quand même. Oui, oui, c'est pas mal, oui. C'est beaucoup d'argent. L'argent a été donné ce soir... Bon bah voilà, tranquille. Je vais offrir un sub à Arimis, putain. Bah merci Flo. Arimis a réussi à avoir un sub, bravo. Je l'ai toujours pas. Si, tu l'as Arimis. Je le vois, t'es abonné depuis 8 mois. Incroyable. Merci beaucoup, qui dit? Qui dit mieux, toujours, qui est toujours... Voilà. Qui dit mieux que qui dit mieux, les gars? Alors, aujourd'hui, bon, à côté... Ah oui, t'as vu que les trains live, ça va être plus jamais? C'est de la merde. Comment ça? C'est ça, niveau 6. Qu'est-ce qu'il y a? Ils s'arrêtent plus jamais, les trains live. Comment ça? Tu peux aller niveau 52, si tu veux. Ah bon? Ouais, enfin c'est pas si tu veux, c'est si ils veulent même. Alors, train de hype niveau 50 ce soir. Le goal. C'était son anniv. Regardez. Bonsoir à tous. Ça, ça fait longtemps que je suis pas venu sur un stream ici. Je parle. Je m'en fous. Quoi? Qu'est-ce que tu allais montrer à tous tes abonnés? Bon, au revoir. Qu'est-ce que tu allais faire? Mais dis-leur, pourquoi est-ce que tu boutes comme ça? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Qu'est-ce que tu caches derrière cette tablette? Regardez, ça, c'est tout ce que je dois faire. Toutes les contreparties Tiffy que je dois faire. Tiffy, t'as dit? Tu peux compter avec moi, Arcane? Quoi? On est là jusqu'à 3h30. Je vais pas tout faire, mais je vais faire un maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis angoissé. Je fais une veille de partiel. Ça m'angoisse. Et quelqu'un vient? Qu'est-ce que tu fais derrière ton dessin? Qu'est-ce que tu caches derrière ce dessin? Je veux dire à vous dire que... Il y a une personne qui a annulé, qui a dit je veux plus aucune des contreparties, mais Morta, parce qu'il a dit, parce qu'il a décidé. Du coup, ça m'en fait 4 en moins. Et il y a quelqu'un qui, dedans, il y a un truc où c'est deux persos ensemble. Du coup, ça fait 1 en moins. Du coup, normalement, ça aurait été près de 20, tu vois. Paisible. Apaisé. J'adore le retard. Bref, on va commencer par un truc de Nightmare. Et Nightmare, j'aime beaucoup ses designs. C'est qui Nightmare? C'est un de mes clients, c'est pas un client régulier, c'est un tipeur régulier qui est abonné à moi depuis très longtemps. Et que tous ses designs sont un peu des bangers, en tout cas sont très fun à faire. J'espère qu'il dort bien. Quoi?
parce que les cauchemars. Oui, tu l'as eu, bravo, enfin, effectivement, l'escape game continue. À l'aide, feur, toi. Allez, c'est fait. N'oublie pas de lire le chat. Le feur annuel a été dit... J'ai peut-être une pneumonie. Non. En tout cas, j'ai mal au poumon. Presque au cœur. Imagine, je suis une crise cardiaque. Là, maintenant. Je t'avoue, je serais pas à l'aise. Il se passe quoi? Je t'avoue que je serais un peu gêné. Par contre, ça m'en ferait des vues, tu putain. M'en voudrais? Ça m'en ferait des vues, putain. Peut-être, en vrai. Un peu chiant, quand même. Tu me diras ça à l'hôpital. Bon, oh, Arcade, hein. J'aimerais que tu préviennes la prochaine fois. En plein live, là, ça commence à être gênant. Ça aurait été cool. J'ai une coupe de... Le clip de Zinzin. Comment... Ce serait quoi le nom que vous lui donneriez à ce clip? Arcade meurt. Attention, hein, il faudrait qu'il y ait un très bon nom. Hein. Au moins, tu n'auras pas à aller à ton partiel, Arcade. Non, mais j'ai pas de partiel, c'était une vanne. J'ai fini, moi, tout il ça. Il est trop vieux. J'ai fini tout ça. Qu'est-ce que t'as mis, quoi? Maintenant, j'essaie d'avoir putain, le sensei. Putain, il a un émo de force, ce fils de pute. Je le hais. Mais bon, c'est lui, un peu. Il a groscom.com à côté. Groscom. Pour moi, de loin, il y a écrit groscom. Gros quick. Arcadieux. Arcade, quand on lui dit qu'il est de droite. Je décide de mourir. Ah, merci, Rémis, pour les 1001. Bonsoir, sympa ta coupe arcade, merci! Merci Rémis pour les. Oui, il y en a beaucoup, c'est combien de bits? Arrête de donner de l'argent, t'as besoin de l'argent! Énormément de bits. Pourquoi elle donne de l'argent? C'est quoi son problème là? Qu'est-ce que tu fais ça dans tout le monde? Pourquoi elle fait ça? Je les avais dans la poche, ils étaient tombés. On les a donnés. Mais il y a tellement elle de. Elle a cassé la jarre. Qui dit mieux, c'est beaucoup. Qui dit. Qui. C'est fini? Arcade nous montre la fin de Grim Fandango. Oui, c'est ça, je vous montre en POV. Là là. POV, comment on fait? On meurt. Putain, mais ça en fait hein, des subs. Putain, qui ça en fait des subs, les gars. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Vous avez 45 secondes pour finir ce train de l'hype. Je pense qu'on est. Non. Moi, je le vois plus monter, le train de l'hype. Ouais, attends. Ça m'angoisse. Il monte plus. Il est nul. On est bon. J'en ai un peu marre. Rémi, ça, voilà, voilà. Ça commence, ah, oui, d'accord. Ça, c'est bon, ah, oui, ça revient. Ah, mais t'as pas fait ce que moi j'ai. Quoi? Ah, je vous jure, j'ai vraiment mal. Arrête. Quand je tousse, j'ai vraiment mal au poumon. T'es gênant. T'es cringe. Pardon. Ils sont très sympas les designs de Nightmare. Je les aime vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils sont compliqués, putain. Parce que moi, j'ai mis enfin l'option qui me permet de. Waouh. Wow. Wolfchart, merci pour les beats. Qu'est-ce que tu caches derrière ces beats? Quel soutien incroyable. Chouchou. Putain, le niveau chouchou. 5. Bravo, bravo, chouchou, bravo. Vous avez été... Oh, Rémis est en train de mourir derrière. Rémis nous a fait un petit bruit, là. Un petit rond. Oh, c'était bucolique. Imaginez, vous êtes dans la forêt, vous êtes posé, vous êtes à côté d'un ruisseau, et vous entendez quelqu'un passer à côté de vous et faire... C'est vraiment un after forêt, tu sais. Le mec, tu sais, sort d'un festival en pleine forêt, il est vraiment... Ouais, mec, tu aurais pas une feuille. Il y a un mec devant la maison, une fois, il m'a dit, vous avez pas une clope? Je dis, non, vous avez pas une feuille? Je fume pas. Oh, déçu. Il va falloir qu'on voit pour les trucs de stream, il y a moyen de faire des trucs de zinzin. Oh Flo, tu sais, moi déjà, faudrait que je fasse des streams. Oui. Avant de faire des trucs de zinzin en stream. Déjà, que je fasse un stream, c'est un truc de zinzin. Donc bon. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon BDSM ce soir. C'était super le BDSM bol ce soir. Bol de soupe du mardi. C'est ça, un bol de soupe du mardi. Tu savais pas que c'était ça, BDSM? Non. Mais on n'a pas eu de bol de soupe, on a nous, eu un non. bol de... Nous, on a le eu burger... burger du Super Mardi. Super Mardi Bros. Dans un autre univers. Coucou Cartaz et Arcade. Bonne année. Ah mais oui, c'est vrai. Bonne année Bonne à année tous. Bienvenue en 2023. Nous sommes dans le futur. Effectivement, actuellement, le temps est passé. 2022 est derrière vous, elle ne reviendra jamais. J'espère que c'était comme une très bonne année pour passées. Vous, mais que celle-ci, exactement, parce qu'ils sont encore en 2022, et que tout le monde est mort là-bas, et donc arrête. Du coup, il faut que 2023 soit encore meilleur. Et pour ça, il faut que vous donniez de l'argent, parce que l'argent, c'est le mal. Bonheur. Non. C'est ah oui, le faut mal. Se débarrasser. Il faut que vous vous débarrassiez. Attends, je vais changer de scène. L'argent est composé à 100%, si on regarde moléculairement, dans sa structure métallique, de mal. C'est composé des forces du mal. Il faut donc nous les donner en tant que professionnels des forces du mal pour, s'en débarrasser. Pour les démaliser et ensuite on vous les rend par la poste. En billets. En billets, voilà. De toute façon, l'argent, c'est bientôt fini. Vous le savez, ça?
Un jour, Elon Musk, il va tous nous remplacer. Il va à la place, il va nous donner du bois. Les gars, j'ai du bois. Vous voulez qu'on remplace ça par l'argent? On va leur dire. Vous dites oui ou pas? Ça va, mec? Je pense que tu vas pas bien. Je suis fatigué, j'ai mal. Ah. Je fais de la science et je confirme les dires d'Arcad. Merci, The Sauce Pesto. Est-ce que quelqu'un... Je peux me faire du thé? Merci, Rémis, pour le thé. Je crois qu'il en reste dans le... Elle a disparu. J'ai entendu du bruit. Moi aussi. Elle est pas sur le sol de la cuisine? Peut-être pas. Rémis? Non, y a pas. Ah, oui. J'avais raison. Ouais. Elle était sur le sol de la cuisine. Dis coucou. Non, on la voit pas, on la voit pas sur le... Va un petit peu sur près du plan de travail. Genre entre sens et... Je sais pas si elle a envie d'être vue, visiblement. Elle... Oh! Ouais! Ouais! La 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 la! Top là! Oui, tu peux top te faire là du dans thé. Ma grande main, avec ta petite main! Oh. Plus bas! Isex! En bas! Ouais, vas-y! Plus... Ouais! Ouais! Isex! Isex! Bravo à l'Isex, bien sûr! L'Isex de Nintendo! On dirait le nom d'une école, tu sais? C'est là où j'achète tous mes i-jeux! Du Théophore, allez! Imagine, tu t'appelles. Il y a forcément un mec qui s'appelle dans la vie Théophore. C'est-à-dire qu'il pourrait s'appeler n'importe comment. Genre Henry Feur. Ou quoi Feur? Le mec s'appelle quoi? Oui, il est congolais. Quoi? C'est vraiment un nom congolais? Non, les noms congolais, c'est souvent des mots littéraux. Genre bien-aimé. Ou, ah, genre son prénom, espoir. C'est quoi Feur, hein. Ah, mais oui, ou Valéry Giscard d'Estaing, bien sûr. Oui. Entier, hein, c'est son prénom. Valéry Giscard d'Estaing. Mystère? Ah oui! Gideon Mystère! Ah, j'adore! On a rencontré une meuf qui s'appelait. Comment elle s'appelait? Julie, c'est la coloc. Dans ta gueule! Elle s'appelait Divine! Oui, tu vois pas? Oui, Divine, ouais, j'en souviens! Julie! Merci, Saltars! Tu lis pas les coms! Ah, pardon! Bon, je dois retourner réviser mes partiels. Courage au partiel. Et il adore c'est ta coupe. Vous avez vu, on s'est coupé les cheveux, c'est vrai, ouais. Ensemble. Ensemble. C'est faux en plus. J'ai non. coupé mes cheveux et puis il m'a imité. Moi j'ai payé. Waouh, ok. Et j'ai pas payé, lui l'a payé, du coup il est forcément inférieur. Bah non. Bah pourquoi? Bah parce que je suis riche. Bah moi aussi, sauf que moi je suis encore plus riche parce que je dépense pas cet argent là. Tu vois, je suis devenu moins riche, du coup je suis devenu moins cool. Oui. Merde. Arcade il est trop occupé à s'amuser pour lire le chat. Je m'amuse, ouais, je m'amuse de fou. À boire de l'eau là. Ça les gars, vous avez déjà essayé de boire de l'eau? C'est une dinguerie. Vous avez vu, c'est trop bon. Ça me fait rire. C'est trop bien l'eau. Ça me fait trop rire, j'arrive pas à dessiner. C'est pour tous mes sauces qui boivent jamais d'eau, je vise personne. Elle est partie hein. Elle a évité le savon regard, j'ai vu se tourner. Partie dans la honte. J'ai des partiels aussi moi d'ailleurs, c'est quand déjà la putain? Bah tu devrais peut-être le savoir. Merci, ongle. Ongle. Voilà un gros Nexus V, en attendant un max de Tunax. A bientôt les sauces, bientôt! Tu bois. Tu bois deux fois. Non. Je te jure. Ok. Putain, la bataille de riches quoi, l'eau une dinguerie. Quatre fois. Cinq fois. Oh, il va te tuer, mec. Six fois. C'est l'hobbit Kerry qui est venu noyer. Comment ça le savoir? Ah, mais c'est Manoir! Déjà, je vais pas en cours. Bah oui, c'est Manoir, il a juste mis six fois. Pourquoi tu fais ça? Tu pourrais avoir un dessin gratuit. Putain, qu'est-ce que je suis heureux de plus être dans cette sauce, de plus avoir de partiel. Ouais, je hais l'école. Maintenant, je dois faire du travail. Les enfants, arrêtez l'école, ça m'a réussi. Non, je rigole, j'ai pas arrêté l'école. Qui a eu cette idée folle d'un jour arrêter l'école? Moi. C'est sacré Magne-Charles. Magne-Charles. Rémis, continue, remets la mise. Un Daisy pour la Daisy fresque. Ah. Attends, quoi? Qui a demandé si. Ça? Si, je sais pas. Pourquoi tu es dans autant d'eau? Yo, il y a beaucoup, putain, il y a beaucoup d'eau là. Gary Harden. Finis ton verre. Bah attends, je veux d'abord la Daisy fresque. Bon, attends, de l'eau, d'accord. Ce soir, ça rattrape les contreparties. Attends. Tu t'en sors, hein? Beaucoup... Ah oui, le zoom. Attendez. Gary Harden, comment ça, Gary? Gary. Gary, come home. C'est dur, il y a trop de trucs, il y a trop d'infos. C'est dur. Tu veux que je lui fasse quoi? Karine, tu veux qu'il fasse quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu caches derrière son sourire? Ah, ils se connaissent, Chamelo et Rémis. Ah. Ou pas. Oui, si. Ou si. Alors juste, elle aime très beaucoup fort son pseudo. Vas-y, tu veux quoi? Eglou, eglou. Bah, tu super. Veux quoi? Bah toi, choisis. C'est toi qui choisis, non? Ils ont pas le choix sur la Daisy fresque. Si. Fais une Daisy Daft Punk.
Un faux sourire. Fais du coup. Daft Daisy. Un faux sourire. Comment tu dessines un faux sourire? Sinon, tu stream quand Arcade, lol? Comment tu fais la Daisy là? Ah, sinon, on a fini Mob Psycho. Ah, c'était bien. C'était mob, c'était sympa. C'était mob bien. C'était trop mob bien. Mob Psycho, il c'était trop mob bien. C'était mobo et mob Reagan. Mob Reagan. Trop stylé. Attends, tes cheveux sont pas genre trop stylés? Ça va, Bah c'est gentil, merci Narix. Ils sont bien gentils ce soir. Ouais, ma chose de feu. De l'argent. Donne de l'argent, Narix. Donnez de l'argent au lieu de faire des compliments là. De fou. Oh, c'est un meilleur compliment hein. Je rigole. Je suis profondément gentil, superficiel merci. En termes de personnes. Oui. Je ne compte que l'argent. Quand quelqu'un me dit Arcas, j'ai toujours fait confiance et j'ai toujours apprécié ta compagnie et tes conseils, ça me fait rien. Mais si vous me donnez 5 balles, mais si ça vaut tout l'or du monde. On donne 5 balles en te faisant les compliments. Bah y'a qu'une moitié qui compte. Fils de pute. Je rigole bien sûr. Voilà. Les mots sont effectivement quelque chose qui compte pour moi. Daisy et son faux sourire. Je n'en ai pas reçu beaucoup. Garen. Le lapin de Garen. Elle est un peu mal à l'aise face à l'autre, à sa voisine. Sa voisine, elle la trouve dégueulasse. Elle? Ouais. Blouson? Ouais. Blouson, oh, cochon. C'est Daisy Adventure Time. Magique. Oui, un peu. Oh, le cochon, c'est une dinguerie. Prends une toute petite Daisy, là. Oh, le petit... Par contre, oui, tu vas terminer ton stream à 4h du mat, t'as combien de commandes en retard? Si, si, regarde, c'est, alors, c'est en pas discussion. Daisy, c'est Peach. C'est Peach Watson et Sherlock. Oh, Days of Holmes. Wow. Merci, hein. Gros front. Je suis un entertainer. Bravo. Bon, tu vas pas te mettre à tes dos, là? Arrête. Tu vas pas en plus, genre tu vas pas en plus procrastiner en stream. Il est là pour ça. Okay. C'est une multitude de Daisy. C'est une grande et grande fresque. J'ai dit deux fois grande, je ne suis pas un entertainer. C'est une grande et impressionnante fresque faite de têtes de Daisy. Récupérée, bien sûr, c'est le champ de bataille. Et dans lequel. Quand est-ce que tu vas la terminer? Quand t'auras fini la feuille? Oui. Waouh, merci pour le. Merci, Don! Lizzie, je me casse le cul à faire des blagues et Carthaz comprend même pas, c'est honteux, je sais même pas de quoi. Oh là pas, là! C'est dur de. Mais tes blagues, elles sont trop autistes pour moi, elles sont trop complexes! Wow! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est où allons-nous? Qui ça comme comment ça, comme c'est lui? Tu c'est bois! Où allons-nous? Wow! Elles sont trop complexes et. Les blagues sont trop autistes. Voilà, c'est 2023. Je le vis mal. 2023, Carthaz devient psychophobe. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'elle est. Je deviens validiste. Absolument. Elle déteste... Je coupe tous les ponts avec Snowberry. Waouh. Elle l'apprend, vous l'aurez entendu ici. Pour la première fois. En exclu. Ça va être dur maintenant qu'elle habite... C'est officiellement de la discrimination. Maintenant qu'on habite dans la vraie vie. Ah, t'as fait un move de collège. Quoi? Don, il est de retour au collège. Je m'excuse, Don, c'était pas ça. C'était pas pour ça que je voulais dire. Back to the collège, Riyad Satouf. Mais en fait, bonjour. Mais tout est. C'était. Tu parles souvent d'intérêts spécifiques et de trucs comme ça, et c'est trop précis, et je ne comprends pas, et je me sens con à côté, moi, du coup. Tu te sens con quand il parle de Thor? Oui. Moi, ça va, je trouve. Et il parle de comics que je n'ai pas lu, je suis en mode de quoi tu parles? Moi, je réponds MDR, j'ai pas lu. Je vais faire ça à l'avenir. Pour cacher mon manque de culture. Phob psycho. Bien joué. Non mais non, j'adore rire, ça va. Alors que les blagues sont masterclass. Toi, Mano, tu trouves des blagues masterclass? Qui tu trouves drôle à part Luna? Espèce de suceur. Hein? On t'a vu, hein? Tu crois que je t'ai pas vu? Je te connais. T'étais sur mon canap. Alors que les blagues TikTok, ça, c'est le vrai humour. Ah ouais, j'avoue, c'est un zoomer, Mano. What did I do it for you? Mano, alors la ref. Moi, je l'ai pas. Mon What TikTok did est rempli. I do it for ce que you? Je disais avancer, mon TikTok est rempli que de blagues de lycéens. Est-ce que c'est red flag? Est-ce que ça devrait m'inquiéter? Non, je les avais aussi. Parce que bah, forcément, c'est un truc de lycéen, du coup, à force, t'en auras plus. Mais du coup, c'est comme t'as que des trucs en français. Tu sais, j'ai plusieurs sentiments, tu vois, quand je vois. Vous savez, les blagues de lycéens. J'ai vraiment des blagues de podcast. Mais de lycéens. Ouais. J'ai l'impression d'être Cyprien, tu vois. Ok, normal. À faire des blagues alors que j'ai 37 ans. Je suis en train de regarder en mode. Oh là, le. Quand quelqu'un m'a dit que j'ai mon bac ou quand la prof de français rentre et que du coup elle pue. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça elle pue? Je sais pas, il y a un truc.
ou peut-être qu'elle fume de la beuh. Elle wow. envole aux artistic kids. Ouais, de fou. Une relation amoureuse, c'est un dilemme du prisonnier. Réelle blague d'autiste. Pourquoi d'autiste spécifiquement? C'est quoi le dilemme du prisonnier? Je comprends rien à ce qui se passe. C'est encore Don qui a dit un truc trop précis? Non, non, c'est Slake. Ah bah Slake. Est-ce que ça se dit Slake? Slake! Ou Slack? Il y a un petit 42 aussi. Probablement une ref à... Oui. Il faudrait que je trouve autre chose. Qu'est-ce qui est 42? À part la fameuse réponse à l'infini, bien sûr, si vous êtes un geeklame. Ça va, donc. Ça va, t'as même pas lu? Non, j'ai pas lu. J'ai essayé de lire. Mais et... ça m'a fait chier. Ah bon? Ouais. C'est dommage. Alors qu'en vrai, moi, la lecture, en vrai, je lis jamais. Mais je suis pas, une fois que j'ai décidé de lire, je suis pas non plus si difficile. J'ai bouloté. J'ai utilisé ce terme. Bouloté des livres au lycée et au collège en une soirée. Tellement j'étais dedans, genre Fahrenheit 451. Les 50 premières pages, je me suis fait chier, mais comme devant un opéra. Et puis ensuite, c'est devenu bien. Et je suis en mode, oh, let's go! Et j'ai tout fini. Ah merde, je lui ai mis 4 doigts. J'ai tout oublié d'ailleurs. Merde. Bon bah. Bah, il en a perdu un, je sais pas. Est-ce que t'as mis 4 doigts alors qu'il y en a plus au croquis? Quoi? Ah oui, j'en ai mis plus alors j'en ai mis bien 3 sur le croquis, je suis vraiment très con. Je suis trop con. Yo, t'es en forme ou quoi? Espèce de merde. T'es en forme ou quoi? On est chaud là, on est chaud. Ça se prononce Jean-Pierre. Wikipédia, nombre 42. Oh, viens, on lit le nombre 42. Le nombre 42 est l'antinaturel qui suit 41 et qui précède 43. Pour l'instant, je suis. Dans la table des caractères ASCII, le caractère étoile. Pour l'instant, ça va. Ou bien 2A en hexadécimal. Ok, je suis plus. Le nombre 42 est un nombre composé 3 fois brésilien ou 3 brésiliens, car 42 égale 222 exposant quoi, 4 brésilien, mais en bas égale 3. Il a été brésilien. Il a été brésilien. Là, il est sur la plage en train de jouer au foot. Au carnaval de Rio, je connais 3 choses du Brésil. Voilà. Tu as vu le film? Si, en ce moment, ils fêtent la victoire de Lula, là. C'est Lula, non? Quoi? Le nouveau président. Qui? Ils ont viré un président d'extrême droite et maintenant il y a un gauchiste. Ah bon? Oui. C'est vrai? Oui. Trop bien. Oui, il a même là une de ses mesures, il est en mode bon les gars, l'Amazonie on arrête. C'est allez. Vrai ouais. Ah mais le banger. La somme des 3 premiers puissances de 2 d'exposants impairs. Mais Kiss à qui? Qui a fait le wiki? Excusez-moi mais on s'en branle non? Mais t'es pas maté, t'es non, mais attends, maté, mais c'est. Enfin, moi je peux faire ça. 42, c'est aussi 10 plus 10 plus 10 plus 2. C'est 32 plus 10. Et tout le monde s'en branle, je peux en faire plein des facts sur 42. Des quoi? Des facts. J'ai prononcé comme Slake. Welcome to Brazil. C'est Rio là. Le film avec les oiseaux, tous vous avez les vu. Tous les oiseaux du Brésil. Tous les chiffres du Brésil. Un nombre méandrique et méandrique ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un méandrin. Quoi? Mais attends, c'est un autre terme? Je crois qu'elle se refaisait un burger. Un nombre est dit nombre méandrique quand il a fait partie de la série des nombres indiquant le nombre de manières de figurer les intersections entre une droite et une courbe fermée présentant merci un Dan. Ou plusieurs méandres. Le dilemme du prisonnier, c'est le bidule où deux gars sont arrêtés en flag si aucun des deux balance. Ils ont une petite peine. S'ils dénoncent l'autre, l'autre, celui qui dénonce est libéré et ils se dénoncent mutuellement, grosse peine. Mais comment vous voulez que je commence pas que les gens qui aiment les maths sont des psychopathes? J'aime bien mais c'est une dinguerie. J'aime bien les maths, moi. Mais t'aimes bien quand je te raconte ce que c'est un méandre? Non, mais j'aime bien faire des calculs. J'aime bien les problèmes. Non, mais ça, c'est maths. Ça, c'est pas des maths, tu vois. Ouais. Ça, c'est genre des... Ça, c'est des trucs d'humains. Les maths, c'est autre chose, tu vois. Un nombre pratique. J'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient pas les problèmes. Parce que je trouve que c'était la meilleure manière de comprendre les maths. C'est tu les mets dans une situation réelle. Je crois que les gens aimaient juste pas les maths. Ouais, mais tout le monde dit oh, les problèmes sont compliqués. Les problèmes. J'aime trop ce mot. Pour moi, il veut tout dire, tu vois. Les tout dans la vie, c'est des problèmes. Mais oui, effectivement, oui. Bah oui, c'est pour ça qu'on en fait, je pense. Et du coup, une fois, à un moment, mieux. J'ai essayé d'expliquer un truc à une meuf, elle comprenait pas. Et je lui ai dit, imagine, t'as un gros bac de pommes. Attends. Et l'autre a un autre bac de pommes. Elle m'a dit, mais je ne comprends rien. Je me dis, mais c'est des bacs de pommes, c'est compréhensible, non? Et elle comprenait pas, et ça m'a frustré. C'est moi avec tes pommes. Tu veux qu'on. Oh, attends. Tu veux qu'on. Je voulais que je vous lise la définition du nombre pratique pour voir si c'est pratique. Vous voulez voir ou pas? À quel point les nombres pratiques, c'est bien fait?
En arithmétique, un entier strictement positif n est dit pratique ou panarithmique si tout entier compris entre 1 et n est somme de certains diviseurs distincts de n. Par exemple, 8 est pratique. En effet, il a pour diviseur 1, 2, 4 et 8. Or, 3 égale 2 plus 1, 5 égale 4 plus 1, 6 égale 4 plus 2 et 7 égale 4 plus 2 plus 1. Les 12 premiers nombres pratiques sont 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28 et 30. Bah c'est des multiples de 2 sauf 1. Et alors? Bah c'est du coup les nombres pratiques. Mais c'est pas ça la définition. C'est ça? Le nombre pratique ont été baptisés ainsi en 1948 par qui? Srinivasan. Et nique ta mère. Arcade, le Eminem des maths, le Eminap. J'ai dit quoi là? Le Ematem. Je suis fatigué. Les gars, j'ai vraiment, en ce moment, je le dis souvent, j'ai l'impression de perdre la mémoire et ma capacité de parler. Et ça me fait presque peur. Bah, t'as pas j'ai vraiment la sensation de diminuer en tant qu'humain. Tu penses que t'es fatigué? Comment est-ce possible? C'est à cause de mes médocs, peut-être. Je pense que tu devrais peut-être... En vrai, no joke, je pensais... j'étais un peu comme ça aussi, parce que j'allais pas bien. Et c'était difficile à classer dans ma tête, puis j'ai été voir ce qu'on appelle une psy. Je vais peut-être refaire des streams. C'est quoi cette séance de psy? Tu dis, t'es devant la caméra quand même. Les gars, ça va mal. Je viens de sortir une vidéo et tout, des gens m'ont insulté. C'est terrible. Arrête. Tu deviens vieux, c'est normal, Arcane. J'ai 23 ans. C'est terrible. T'es gâté, t'es juste con. Ok, let's go. Je suis revenu comme vous êtes tous. Avant, j'étais super intelligent. Maintenant, c'est quoi fini. Quoi? Comment ça? Arcane, j'ai du mal mentalement en ce moment. Arcane étoile. 40. Quoi? Vous voulez qu'on voit 40 maintenant? Nique sa mère. Arrête! Arrête de lire des maths! Tu es censé animer le stream, pas lire des maths! Mais c'est une animation de stream. Oh. La somme des 4 premières puissances de 3. Bravo. Mais c'est nul! Pourquoi c'est nul comme ça? Mais c'est des maths! Mais non, mais genre, j'ai l'impression que c'est un fait. Genre, en quoi c'est intéressant? Mais c'est pas intéressant, c'est juste. Tu dois savoir ça pour pouvoir faire des maths. Tu dois savoir que 40, c'est les 3 premières. Genre, attends, en quoi c'est utile? Quand tu sais que les 3 premières puissances de 3, additionnées, ça fait 40. Et comme ça, tu connais. Et alors? C'est comme apprendre les notes du piano pour pouvoir jouer des morceaux. T'apprends les bases des maths et après tu peux utiliser les maths où tu veux. Mais non, mais c'est veux. Trop précis. Apprendre les notes du morceau, de 10, c'est apprendre 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu connais. Juste, ils viennent de dire, bah, c'est la table de 3. Mais t'as appris ta table de 3, mais c'est juste. Mais ils viennent pas dire c'est la table de 3. Ils viennent me dire les 3 premières puissances de 3 donnent 40 quand elles sont additionnées. C'est pas comme apprendre la table. C'est beaucoup plus simple d'apprendre la table de 3. Vas-y, rigole comme un vieux fou. 3 plus 9 plus 27. Bah non, du coup, il y en a 4. Attendez, je relis. Mince, j'ai perdu la chiffre. J'ai perdu le chiffre oh, quel 40. Dommage. Non, vite. La somme des 4 oh, première putain. Puissance de 3. Parce que premier, c'est 3 puissance 0. Pardon, j'avais oublié. Or, ça je sais ça, mon frère m'avait dit, quand il me donnait des petits facts de maths, les maths facts, les maths podcasts. Waouh, tu l'as sorti loin lui. Il y a maths, ça fait des films aussi. Mon frère il m'avait dit, tous les chiffres, puissance 0, c'est 1. Tu peux arrêter de faire bouger mon sieste? Non. Tu sais aussi que genre, la table de 9 c'est le premier chiffre, tu fais plus 1 et le premier, ouais. tu fais moins 1. Genre ouais. 29. Non, rien à voir. Genre 9. Tu mens. 18. 27. 36. 45. 54. 63. Et. Vas-y, continue. 72. Je te verrai bien quand ça passera à 3. Et 90. 3 chiffres. Et 90. Je suis littéralement devant la porte, j'attends. Quoi? Non. Comment ça, non? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Je sais pas. Rémi, se rentre. Bienvenue. Pourquoi tu attendais? Les maths. Allez. Pourquoi ça t'angoissait, les maths? Arcade, tu savais que topologiquement, un humain est un donut. Maintenant, oui. Pourquoi? Parce qu'on a un trou? Ah oui, oui. Quoi? Oui, on a un trou qui passe du haut en bas. Mais on en a plusieurs. Non. Enfin, genre oui, mais genre je veux dire principalement. Genre le nez, il va au poumon, le poumon n'est pas lié à l'extérieur. Imagine si on fait un humain, mais en pâte à donut, qu'on fait frire,
Et du coup, il y a un trou. Tu fais quoi avec ce trou? Tu le fourres de... confiture, je sais pas. Tu le fourres. Un bagel. Un bagel, c'est juste un donut salé. C'est quoi, c'est nouveau pour toi? Oui. Tu vas bien, mec? Je pense que tu vas pas bien. Je connais, c'est une Jojo Ref, ça. Ah bon? Non. N'importe quoi. Mais c'est trop bien, en vrai, les maths. Donne, ça suffit. J'aurais dû faire des maths. Mais vas-y, donne. T'as du temps devant toi, je te jure. T'as la vie. Je te jure, tu peux prendre 3% du temps que tu prends à parler de Thor, et t'auras au moins 2 semaines. Là, comme ça. C'est pas méchamment. Je parle jamais de Thor. Alors c'est là, tu mens. Alors là, je sais pas, tu t'es levé en disant je vais mentir aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne dirai pas la vérité. Il va loin, Arcade, ce soir. Mais non. Tu es fatigué, ouais. T'animes plus sur mes lives que sur les. Vous avez une relation parasociale avec moi. Quoi? Tu m'as déjà vu animer un de mes lives? Je fais des saltos. Tes saltos. Soulève. Je fais un salto. Wow. Reviens. Je flippe. On disait quoi déjà, les gars? Merci pour le don. Chaque don, je fais un salto. Du coup, t'as pas fini de lire la page 42? Vous voulez que je... Mais non, je l'ai plus, la page 42. Arrête. Ah si, je peux aller jusqu'à 42 à partir de 40. Putain, c'est fou. Je peux aller jusqu'à 43. Jusqu'où ça va? Arrête. Quand est-ce que ça s'arrête? Mais... Y'a pas 1000... Y'a pas... Comment est-ce que ça s'arrête? T'as raison. Wikipédia. Est-ce que genre 1130, tu vois, c'est le moment où ils sont là, j'en ai marre, les gens ont compris. 1130, non, c'est pas assez. Ah ouais, genre 3 millions. Cherche la page Wikipédia. Le nombre de colorations. Tu peux avancer comme les Pokémon. Graph 4. Tu peux genre avancer comme ça comme les Pokémon. Tu penses qu'ils s'arrêtent au nombre de Pokémon? Allez, lis-moi ça en vietnamien. Ok. Ting 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 tang tang tang. Ça sonne raciste si t'as pas la ref. Ouais. Non. Ça veut dire la, d'accord. Je lis sur TikTok. Ah, qu'est-ce qui se passe dans 42? Le nombre de Catalans. Ok. Quoi? Le troisième nombre 15 gonales. Il y a 42 Catalans dans le monde? Le nombre 15 gonales. Dans d'autres domaines, science. 42 éclipses de soleil et 42 lunes durant un Saros. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un Saros? Sous Linux. Oh, ça va être dingue. La fonction de la bibliothèque standard CMemFrob chiffre une zone mémoire en effectuant une opération XOR. Quoi? Avec le nombre 42. C'est tellement Linux cette phrase. Ce que je viens de lire est tellement Linux. C'est quoi l'opération XOR? Le nombre de chromosomes d'une cellule hexaploïde d'avoine. Et 42. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces avoineries? Ta gueule. En culture. En cul. En cul. Le titre d'une chanson du groupe Coldplay dans l'album Viva la Vida. Le groupe a confessé que sans lui, un album ne devrait pas dépasser 42 minutes. Ok. Mais c'est faux. Non mais selon lui. C'est faux. Mais quoi? La vie subjective n'existe pas. Merci Sérène. Bonne année Nicky Nows. Il disparaît dans l'ombre. Pardon, je vous lis pas, j'étais en train de lire 42. En vrai, je parle assez rarement de Thor, mais en proportion, je parle beaucoup de Thor avec vous, lol. Par contre, FF7... Oui, c'est vrai, ça t'en parle beaucoup aussi. Oh, Sérène! Au revoir, Sérène. Merci pour le sub. Pourquoi t'es si solennel? Je suis comme ça. Je parle comme ça des gens, tu le sais bien. Tu me saoules. Bref. Ça va? Arrête, je déteste quand tu fais ça, je vais te péter la gueule. C'est pas agréable. Opération XOR, on dirait un plan d'invasion alien, je te jure. C'est Mars Attack. Vous savez, il y a vachement plus de gens qui parlent les langues mayas que les gens qui parlent breton. Waouh. Quoi? Mais faut les tu tuer. Savais qu'il y a plus. Faut leur apporter des maladies. Vous savez ce que c'est le TDI? Le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité. C'est quand t'as plusieurs personnes dans un seul corps. Oui. En termes de personnalité. Il y a plus de c'est personnes qui ont des TDI que de personnes rousses sur Terre. Nul les roues un peu quand même. Franchement, t'es un échec. C'est comme les gens, tu sais, qui croient pas au fait que les asexuels existent, et les gens sont en mode, il y a 1% d'asexuels sur Terre, tout autant que de gens qui vivent à Ohio. Et pourtant, on croit aux gens qui vivent dans l'Ohio. Moi, j'y crois pas. Ah, ok. Je pense que c'est faux. Ça je suis désolé, l'Ohio. Vous avez déjà vu l'Ohio? Pas moi, hein. En plus, peut-être. Non, je suis pas passé dans l'Ohio. Nique sa mère, l'Ohio, hein. C'est pas vrai.
TDI, travailleur du e-sex. Mais le e-sex, c'est un E. Comment tu comptes le nombre de gens qui ont un TDI? Ah. Oh, ils ont gonflé les chiffres. Non, ils peuvent pas. Comment ça, ils peuvent pas? T'es sûr de ça? C'est par corps, c'est pas ah par, ouais c'est pas par c'est la pas terre. C'est un peu manque de respect pour eux. Ben non, parce que justement le... Genre... Je pensais que t'étais mieux que ça. On va te faire foutre. Monsieur Woke. Monsieur Woke. Monsieur Woke. Docteur Woke. C'est le cousin. Ta gueule. Bien ta gueule. Il y a une chanson en maya dans Black Panther 2. Ah mais oui, pour Maya Boy là. Namor. Maya l'abeille. Pour Maya l'abeille. C'est lui. Force à lui d'ailleurs. Putain, qu'est-ce que sa ville est nulle à chier. Namor. Ouais, non, Namor. Hein. T'as dit Namor ou Namor? Namor, d'accord. Fils de pute. Namor, la ville de la mort est nulle à chier. Bah, je sais pas, j'ai pas envie de le trash talk. Mais c'est nul, hein. Tu sais, ils sont tous vraiment... Tu sais, ils sont en mode... Ouais, on est trop des poissons, on vit là depuis 1000 ans. Non, les gars, ça a l'air nul, hein. Vous vous déplacez de façon nulle, hein. Avec vos jambes. Putain. Vous êtes pas fait pour être ici, hein. Sortez de l'eau. Arrêtez de faire chier. Et franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont de cinéma avec les peuples de l'eau, là. Avec Avatar. Mais ils pètent un câble, hein. Trop fort l'eau. Eh, après, dans Avatar, c'est un peu mieux, tu vois. Avatar, je crois qu'ils sont dans l'eau. Enfin, ils sont pas vraiment dans l'eau, ils sont genre à la plage, tu vois. Ouais, ils à la plage. Ils sont au Club Med. Ils sont au... Tu me fais péter un câble. Je te jure, il y a une petite activité tous les soirs, tu vois. Il y a trois meufs qui dansent la tectonique, tu vois, pour les vieux. Eh, baby. Ouh. Ha. I gotta know. If you be my girl. Il y a cette musique dans le film. Oui. À la moitié environ, au moment contemplatif, là. Oh, oh, baby. Ah. Vamos a la playa. Et après, il y a ça, ouais. Quand ils arrivent dans le truc d'eau. Y'a pas mon chat à la playa! Putain, c'est si Avatar avait été fait par Illumination, ça aurait été ça. Vous avez tous les deux changé de coupe, c'est une nouvelle ère dans les streams de Carthaz. Et ouais, c'est 2023. On compte par corps ou par personnalité? C'est la question. C'est le corps qui a un TDI ou tous les altères? Bah, du coup, c'est le corps. Enfin, c'est le cerveau, quoi. Oui. Y'a qu'un seul cerveau. Je trouve super intéressant avec ce genre de troubles, c'est que c'est des troubles que tu trouverais pas. Ça fait partie des troubles que tu trouves que dans le cerveau humain. Ah ouais? Tu sais pas? Ouais. Ou en tout cas, ça, c'est créé par traumatisme. C'est un traumatisme qui est souvent social. Moi, social. Je pense que quand les chats, ils ont leur cadre de folie là, il y a quelque chose de TDI là-dedans. C'est que c'est pas, ils sont pas fous les gens qui ont TDI. C'est, limite, c'est de la schizophrénie. Non, mais genre, c'est un changement brutal de personnalité. Ouais. Mais c'est pas des changements brutaux de personnalité. Mais si, tu sais, les chats, quand ils sont en mode, tu sais, je veux sortir, mais en fait, non. Ils ont une personnalité qui est en mode, let's go et tout, viens, on voit dehors, il y a des vers dehors, viens, on va en voir, il y en a plein, c'est fou. Et l'autre, il est en mode, le lit. Et ils se disputent comme ça. Ça se dispute pas. Je suis Gad Elmaleh. J'ai vraiment mal. C'est les gens qui connaissent des gens qui ont un TDI ou pas? Je vois pas les cheveux d'Arcane, mais il s'est coupé les cheveux, là. Non. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont un TDI? Mais du coup, par contre, vous faites bambouze-le. Parce que si ça se trouve, j'en connais, et je le sais pas. Bambouze-le? Ouais. Attends, répète. Bambouze-le. Mais il y a même des gens qui ont des TDI qui le savent pas. Hein. Putain, ça doit être chiant. Bah oui. Quand tu te réveilles. Enfin, on sait pas la meilleure représentation du monde, mais dans... Tu regardes Moon Knight. Oui. Il le sait pas vraiment. Tu m'as recoiffé là. Oui, parce que t'as les cheveux qui faisaient vraiment c'est genre. Quoi, je suis. C'était vraiment. Je oh, tu es un moine. Ma mère et tout. T'es un moine. Chaussée au moi. Tu fais vraiment très moine comme ça. Bonjour les gars. N'hésitez pas à vous retourner. Chaussée au moi. Ouais. Il y avait des gens à la soirée qui l'ont chopé The Bee. Le TDI. Waouh. Ah non, t'as chopé sur le Covid. Oui, je me doute. Oui, peut-être. Nous, on l'a oui. pas normalement. Non, parce que je pense que c'est la fin de ma maladie, ou alors effectivement elle s'est combinée au Covid et donc du coup je vais mourir. Ah. Arcade Gautran. Gautran. Gautran, le nom de la rose là. Gautran. Si oui, Askip, j'ai ça et je l'ai appris il y a quelques semaines. C'est vrai? Ah bon? Qui ça? Trouble de la... Ah non, pas trouble de l'attention, non, non. Ça c'était des A comme l'indiquent les lettres. Non, que non. T'aurais pu Mais lire. Mais Kani, TDI c'est un trouble de l'identité. Enfin, un trouble de l'identité. Oui, c'est un truc comme ça.
Et c'est quand t'as des multiples personnalités. J'entends à beaucoup. Trouble de l'attention, c'est TDAH. Non, c'est juste TDA. TDA. TDAH, le H, c'est hyperactivité. C'est un truc que je trouve intéressant, j'y pensais. Que tu vois, même, en vrai, même dans la commune LGBT, il y a des gens qui se disent... Il y a trop de trucs, tu vois. C'est compliqué à comprendre, à suivre, tu vois. Et en fait, moi, je trouvais que c'était... quand il y a des gens qui se disent, mais il y a trop de trucs, du coup, ça n'a plus de sens. Mais moi, je suis un peu en mode, c'est un peu le but. Parce que justement, à la base, les gens, on les mettait dans des cases sans qu'on leur demande, tu vois. En mode, bah, toi, tu... Il y a les hétéros et les autres. On est dans une grosse case. Et en fait, à force de créer des cases dans ce groupe de personnes qu'on mettait sur le côté, on se dit, mais c'est débile, pourquoi on crée autant de cases? Du coup, en fait, au final, on n'est pas si différents des personnes hétéros qui, eux aussi, ont des personnalités et des avis à leurs relations différentes. Et en fait, t'es en mode, bah oui, voilà, c'est ça depuis le début. Quoi? Attends, t'es en dire, genre, on fait tellement de cases pour dénaturer le système de cases lui-même? Genre, c'est pas le but, mais genre, on fait tellement de cases qu'en fait, ça c'est un peu drôle, entre guillemets, qu'en fait, au final, tu te rends compte, en fait... Même entre trois personnes hétéros, ils n'ont pas tous la même relation à la sexualité ou à la romance. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, les cases, c'est, oui. Ça a été créé parce qu'en fait, on a donné l'impression à tout le monde qu'il n'y avait qu'une seule case qui existait et qui était acceptée par la société, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des milliers de cases très différentes. Mais c'est parce que les turbo-LGBT, c'est des gauchistes. Ils ne peuvent pas être plus de 5 sans faire une scission. Une scission? Genre, tu sais, ils sont en mode NPA, tu vois. Ils sont en mode, non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Et toi, tu peux pas faire des blagues politiques que je ne comprends pas. J'adore. Hein. Après, c'est des trucs discutés. En termes de psychologie, par exemple, les en vrai, bon, c'est plutôt accepté, mais même les concepts de TDA, TDAH, machin, c'est des trucs que tous les tous les psychiatres sont pas full d'accord. Il y a des théories cuir, on casse tout le genre. Tout. Je vais regarder une excuse vie sur Avatar, bisous, bisous. Mais ils sont pas en mode, ça n'existe pas. Ils sont en mode, est-ce que ça a un sens de les catégoriser de cette manière? Bah, c'est comme, en vrai, genre, tout change tout le temps. Genre, l'autisme qui était coincé dans un truc nazi pendant longtemps, là, avec l'Asperger. Asperger, si jamais que vous ne savez pas, qui est une forme d'autisme léger et qui est plus appelé Asperger depuis un moment, parce que Asperger, en fait, c'était un scientifique nazi qui était en mode ouais, moi c'est Asperger, on va donner mon nom à tous les autistes qui sont pas trop débiles pour nous servir, nous les nazis, et faire des trucs. Du coup, en gros, c'était c'était vraiment en mode, si toi t'es handicapé mais que tu peux encore nous servir, tu es une bonne personne, ce qui est dégueulasse, et voilà. N'utilisez plus le terme Asperger, dites juste autiste. Question. Vous dites juste autiste et en fait c'est sur un spectre beaucoup plus large. C'est ça. Personne n'est d'accord avec rien, il n'y a aucun bouquin qui s'accorde les noms de troubles, c'est débile, on est tous complètement fucked up. Bah, c'est pas débile, c'est peut-être pas aussi simple. Surtout que c'est surtout, ça aide surtout genre, par exemple, moi je me fais pas, là je me fais pas diag TDAH, mais j'aurais vraiment voulu me faire diag à l'école, parce qu'à l'école ça m'a vraiment handicapé. Le problème c'est pas que on s'en fout des troubles et que tout le monde est très différent, c'est juste qu'on devrait créer des systèmes beaucoup plus larges qui acceptent beaucoup plus. Après, tu vois, la question de truc, c'est que je suis en mode, même tu vois, les questions de pas mal de psychiatres, enfin en tout cas d'une tranche de la psychologie, c'est qu'ils sont en mode, en fait, donner un diagnostic à quelqu'un pour le mettre dans une de ces cases-là, généralement ça sert soit à l'isoler, du coup, parce que du coup, oui, tu vas te sentir mieux, soit à lui donner des médocs. Et donner des médocs, ça peut être utile, mais faut faire gaffe. Parce que ça va plus être côté, on va te retirer ton problème, enfin en tout cas ce que tu considères comme un problème, plutôt que de t'aider à vivre avec. Et à ce que les autres vivent avec toi, ouais. Et pour avoir une vie normale, tu vois, mais adaptée à toi-même, tu vois. C'est un peu le même débat qu'avec la dépression. Ou les gens handicapés moteurs, tu vois. Oui, voilà. Genre, il faut adapter les milieux, c'est pas les handicapés qui doivent s'adapter. Oui, c'est le système, tu vois, genre sur l'école, tu vois, c'est moins toi qui aurais dû être diagnostiqué. Mais là on est sur un temps énorme, oui, ça t'aurait aidé, genre au jour le jour ça t'aurait aidé d'être diagnostiqué, c'est comme, en fait dire oh ça sert à rien de diag, c'est de la merde, c'est exactement dire comme ah ça sert à rien de combattre le féminisme et le racisme parce que la base du sexisme et du racisme c'est le capitalisme. Oui, c'est ça. J'ai rencontré le nombre de white saviors que j'ai vu qui étaient en mode ah mais on s'en fout de ces combats là, c'est pas important, à côté il y a des combats plus importants, l'anticapitalisme est en mode oui mais en attendant sur le court terme on a besoin de rendre la vie meilleure pour ces gens là Après, je pense que tu vois, la destruction du capitalisme me pense être un horizon beaucoup plus lointain que un peu plus d'adaptation au milieu, dans le milieu de l'école, tu vois. Ça me paraît être plus facilement atteignable, tu vois. Non, mais justement, c'est pour ça que c'est pas exactement la même chose, tu vois. Genre en mode, le côté, peut-être qu'il faudrait moins
donner des diagnostics aux gens, on va dire. Parce qu'en plus, genre les diagnostics, c'est qui est accessible, tu vois. C'est aussi genre en mode un enfant de Bourges, il aura plus facilement accès à un diagnostic qu'un enfant de prolo, tu vois. Et encore, après en vrai, c'est aussi un peu machin parce que il y a des dynamiques de Bourges où ils sont en mode non, mon gosse n'aura jamais de problème. Ouais. J'ai des gens de ma famille, j'ai une personne qui aurait pu être diagnostiquée autiste, ses parents ont toujours refusé. Ouais. Moi, mode, c'était non. Pas, moi, c'était non, pas, ça n'existe pas, tu vois. C'est pas du refus comme ça, moi, c'était du. Oh, elle est cool, elle est énergique. C'est souvent ça, je trouve que le TDAH et tout ça, c'est souvent ignoré parce que c'est un handicap vachement plus privilégié que d'autres. Par exemple, genre, oui, je suis handicapée sur le plan social, etc., mais à côté, je suis quand même sociable, je suis quand même à l'aise avec les gens, je suis très motivée à travailler, je suis hyperactive, du coup, je suis proactive. Généralement, pas tout le temps, parce que t'as TDAH, des fois ça te frise. Genre, tu sais, quand je frise devant la vaisselle, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai trop de trucs. Ça te frise, mais en général, par exemple, comparé à l'autisme, socialement, je me débrouille, tu vois. Ce qui est pas de cas de tout le monde, mais je pense que c'est quand même un handicap moins handicapant que d'autres, tu vois. Et du coup, c'est dans le milieu des différents handicaps, je pense qu'il y a des trucs qui sont plus socialement acceptés. Ah oui, ça. Genre, un gamin hyperactif va être plus accepté qu'un gamin autiste. Parce que le gamin hyperactif, il va peut-être taper son petit camarade, mais après, il va prendre sa leçon, il va se calmer, tu vois. Alors qu'un gamin autiste, il va être dans son coin, et on va le forcer à un peu s'intégrer, et il y arrivera pas, tu vois. J'ai vraiment mis 20 minutes à trouver mon putain de mot de passe pour juste envoyer ce message pour demander à Arcade de reprendre les streams. Je suis en manque de parasocialisme gauchias. Merci, Poisson. N'hésite pas à donner du soutien à Carthage, dont tu es sur la chaîne. Merci, les gars. Ça fait trop plaisir de savoir que vous êtes là pour moi. Mais oui, je vais reprendre les streams, j'en fais un bientôt. Soit demain, soit après-demain, en fonction, je sais pas, je verrai. J'adore spiraler, ne pas gérer mes émotions. Let's go. Les médocs, ça sert à rien. Non, ça me paraît aussi, ça me paraît aussi un peu, ça dépend dans quelle situation, quoi, mais... Ça dépend, c'est comme on dit les situations, genre dire qu'un truc sert à rien, parce qu'en fait, ça serait mieux de faire une autre manière, c'est vraiment, je dis, comme dire, ah ben ça sert à rien d'encourager les petits commerces de personnes, genre, par exemple, genre... Ce que j'avais fait, c'était à une soirée avec, je parlais à un bobo blanc pote à Arcade, et il me disait oh mais ça sert à rien les petites actions contre le racisme, des trucs comme ça. Je suis en mode oui mais entre un pélo blanc qui ne fait rien mais qui a une pensée comme toi ultra anti machin anti capitalisme et je sais pas une mère au foyer noire qui décide oh fuck it y a pas de coiffeur dans cette ville qui peut coiffer les cheveux de mes filles, je vais ouvrir un salon de coiffure fait pour les personnes aux cheveux crépus. Qui fait le plus de mouvements, qui fait le plus de changements, qui aide le plus de gens dans cette situation-là. Et il est en mode, ah oh, mais on s'en fout au final, sur la grande échelle des choses. Le truc c'est que, y a des gens qui s'en battent les couilles de la grande échelle des choses et de le grand impact que tu peux avoir sur le monde, et ils veulent juste le bien pour les gens autour d'eux. Et je pense que les deux se valent, mais moi j'ai quand même beaucoup d'estime pour les gens qui veulent faire quelque chose au plus vite, tu vois. Parce que c'est bien de... Il faut des deux, de toute façon. Il faut des deux, mais bon. Y a beaucoup je suis en mode, les deux ont de la valeur, tu vois, mais ce qui est très chiant, c'est que les gens qui veulent plutôt agir sur le temps long, ils se pensent très supérieurs, souvent. Ouais. Écoutez, en mode, bon, TG. Mais aussi, faut, genre, sur les médocs, tu vois, genre, moi, je pense que même un psychiatre un peu sérieux, anti-médoc, sera jamais en mode, ça ne sert jamais à rien. Tu vois, il sera en mode... Il sera toujours en mode, c'est peut-être plus compliqué que ça. Genre, les... Bon... C'est plus ça dépend des situations et de qu'est-ce que tu considères dans la maladie. Le truc avec les comportements, on va dire TDA, TDAH, machin, etc., c'est que... En fait, c'est des catégories qui parfois sont assez floues, dans lesquelles tu peux te reconnaître parfois facilement, et dans lesquelles tu peux... C'est toujours des spectres, genre tu peux être Flo, plus ou moins dedans. Oui, donc, pardon, coup, putain, de... merci Flo. J'ai signé qu'à 22. J'ai envie de crever. Genre, c'est même le débat sur la dépression... Arcade, je suis au retour à l'école. Ah oui, bah oui, c'est effectivement. Genre le débat sur la dépression, c'est en mode si on donne trop d'antidépresseurs aux gens, est-ce qu'ils vont pas juste simplement effacer leur conflit que le régler? Et donc du coup, ça fait genre mode... Ah, c'est fini. Est-ce que c'est pas... genre, est-ce que tu associes plutôt psychothérapie? Parce que maintenant, tous les psys sont en mode, bah oui, il faut associer les choses, etc. Enfin, la plupart. Quoi. Mais l'opinion publique, pas forcément. Même de Walter White qui crie... Oh, ouais, adieu, merci. C'est ok. Les médocs m'empêchent de me jeter par mon velux. Perso, ça aide un peu. Oui. Voilà, par exemple, ce genre de situation. Je comprends. Vous soyez en mode, bon, si j'ai pas ce médicament, je ne fais rien. Soit. Après, c'est toujours des questions, évidemment, genre en mode... Pas immunisé à l'addiction, pas immunisé à machin, etc. C'est des questions complexes. Dans lequel je pense que la plupart d'entre nous ne sont pas équipés pour mettre un avis arrêté dessus. Voilà, ça c'est fait.
Et même quand vous êtes malade, hein, parce que parfois c'est compliqué, même si évidemment il y a une certaine expertise quand vous connaissez vous-même votre maladie et que vous, généralement vous êtes renseigné, etc. Machin, etc. Mais être malade, dans une situation particulière mentale ne vous donne pas non plus. La science infuse sur absolument tout ce dont vous parlez, même sur cette maladie. Je vais maintenant dessiner mon OC, parce que c'était la demande d'octobre de Flo. Bravo. Mon OC, Crash Bandicoot. Énergie. Coucou. Coucou. Regarde, c'est elle. Bonsoir, monsieur Rétrogon. Je l'aime beaucoup. Elle est très cool. Eh ben oui, ça va bien. Ah oui, dis donc. Ah oui, énergie. Tu penses qu'elle est devenue plus chère en ce moment? Elle est devenue riche? Ah, c'est elle qui a fait augmenter les prix. Cette pute. On rappelle le fameux scientifique Crash Bandicoot qui ne crée que des singes moches qui s'appelle NFT. Bien sûr, le NFT. Hein. Il a une armée de singes moches, de singes mal faits. Tu penses qu'il y en a un qui s'appelle N-Word ? Bah non, ce serait horrible, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ce serait quoi son gimmick ? Non ! Il est juste raciste. Je vais dire le. Oui, c'était Flo. Je venais pour dire ma blague sur NFT. Oui. Et je dis est-ce que je sais plus ce que je lui avais dit. Est-ce qu'on peut faire ça avec un personnage Crash Bandicoot? Et Flo me autiste sur Crash pendant un long pavé. Et je lui dis imagine. Et je lui dis ma blague du coup. Tout ça pour ça. Je pense qu'il faut jouer à Nier Automata. Pour vaincre les maladies, Olbius, il a vaincu la dépression comme ça, je sais pas où va cette année. C'est avec ça qu'il a vaincu la dépression, que avec Nier Automata. Force à lui, bravo Olbius, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. J'ai envie de la faire en... Lui et Monique, je les ai pas vus depuis, putain. Oh Monique. Depuis 2019. C'est terrible. Imagine si Cartas dessinait déjà au début des années 2000, elle aurait déjà signé K2000. Bah j'ai décidé... Non, j'étais à peine née, du coup on avait... T'aurais signé K... Non, parce que K20 c'était en 2020. Ouais. K2000 c'est stylé, ouais. Bah K2000 c'est... Ouais, je... T'as la ref ? Non, mais je sais mais que putain. Ça existe. En fait, les seules personnes neurotypiques que je connaissais, dont des autismes forts, syndrome de Lyme, qui n'ont jamais pris de médoc et qui s'en sortaient très bien. Bah c'est pas par cas en fait. C'est vraiment par cas. Parce que genre, moi ça va, mais tous mes cousins, neveux, etc., et ça c'était plus... Parce que en fait, c'est marrant parce que j'ai après, jamais été diag. Des tendances, je suppose. J'ai ouais. jamais été diag. Et je pense que j'ai 3 cousins slash neveux qui sont TDAH. Et mes tantes et ma sœur me disent oui, tu l'es. Genre oui, ça se voit que tu l'es, tu vois. Ah ouais, c'est astro, tu vois, t'as genre... peut-être qu'il y a une situation où quelqu'un avec le même TDAH va prendre des médocs. Genre, il y a la situation où elle prend des médocs et des situations où elle prend pas de médocs. Genre les deux finissent peut-être pas trop mal, tu vois. Genre soit quand elle prend pas de médocs, elle a d'autres stratégies. Et avec des médocs, ça va créer d'autres choses. Mais peut-être qu'il n'y en a pas une qui est inhéremment mieux, tu vois. Tous les neuros que je connais prennent pas de médoc, vont bien. Très concrètement, tu prouves R. Tu feras gaffe, ça fera un magnifique biais de confirmation. Quoi ? Non, mais je pense pas que Slake soit en mode défense qu'il faut absolument pas prendre de médoc, tu vois. Tu sais ce que c'est des exemples ? En fait, c'est plus, genre, je pense qu'effectivement, le côté faire gaffe avec les médocs, quoi, parce que, bah... Bah en vrai les médocs c'est pas anodin quand même comme principe. Oui c'est quand même... Faut attention tu vois. C'est comme genre les somnifères ou les trucs comme ça tu vois. Oui. Genre si vraiment ça devient maladif tu peux en prendre mais c'est déconseillé. Parce que ça reste quelque chose d'assez addictif et assez de... Énergie avec les cheveux détachés. Enfin cheveux qui tombent. Je voulais essayer mais j'ai pas envie finalement. Parce que j'ai pas assez de dessins d'elle avec son design... son de base. Vrai design du coup ouais faudrait que... Quand même que je la dessine un peu plus souvent quoi. De toute façon, sachez globalement que vous êtes actuellement sur Internet. Vous êtes probablement des énormes geekos qui ont traîné beaucoup sur Internet, sur Twitter, sur des Discord, sur des forums, sur des jeux. Vous avez croisé au moins 75% de gens neuroatypiques sans médication. Oui. Tout le temps. Oui. Et des fois, c'est ça crée... Internet. Des c'est fois, comme ça. Des fois, ça crée des personnes très respectables et des fois, ça crée des connards. Parce que oui. C'est des gens qui pensent que du coup... ça crée des gens qui se font harceler aussi déjà. Aussi. Mais du coup, presque tous mes potes sont neuroatypiques et presque tous mes potes sont harcelés au collège. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ne savaient pas comment humainer. Comment être humain? Ça, c'est un gros manquement de ma vidéo sur JDG et les geeks.
c'est que je cite, enfin, mais je pense que je me serais fait encore plus défoncer, c'est que je ne cite jamais le fait qu'en fait, la plupart de ces geeks au collège et au lycée, c'était des turbo-autistes, ou en tout cas des joueurs neurotypiques, et ouais. C'était probablement pour ça qu'ils s'étaient souvent, ils étaient mis à l'écart. Ouais. Et qu'ils se faisaient démonter. Ça veut pas dire que c'était pas forcément des connards, hein. Oui, tu peux être un connard et être neurotypique, tu peux subir des torts, mais quand même être une merde. Et oui. Genre, c'est pas parce qu'on on explique ce que t'as vécu que ça excuse ce que t'as fait, tu vois. Genre, comme tu dis, je comprends la peine d'un geek qui son truc qu'il aime devient populaire et il est plus en dehors de la marge et il a plus ce petit confort, machin. Mais ça veut dire que ça veut quand même dire que t'es quand même un enculé pour juste en vouloir aux gens qui s'intéressent à ce que t'aimes, tu vois. Oui, oui. Mais je comprends d'où vient la peine, parce que c'est un truc que je peux ressentir aussi. Genre, c'est pas parce que t'as été blessé que t'as... C'est pas parce que la raison pour laquelle t'as été blessé est idiote que t'as pas vraiment souffert, mais c'est aussi pas une raison pour... Faut aussi se rendre compte de pourquoi ça t'a blessé et de pourquoi c'est pas logique et pourquoi ta colère... Être en colère envers un groupe de personnes qui ne t'a rien fait personnellement, juste par pure habitude et rancœur. Tu vois, genre comme les geeks qui détestent les dormis, tu vois. C'est un truc de rancœur, mais en fait, du coup, t'en veux à des gens qui t'as jamais parlé. Genre des pélos qui passent... Qui, donc parfois, tu peux voir, il y a des moments où genre il y a des gens qui ont été proches, on va dire. En fait, parfois, tu peux traîner avec des... Comme tu traînes avec des gens, ou en tout cas, tu te retrouves à traîner avec des gens différents... Ça veut pas dire qu'avec ces gens-là, t'es pas un connard. Mmh. Genre, ça veut pas dire que genre en mode... Tu vois, un geek qui se retrouve à n'être, on va dire, à traîner qu'avec des gens queer, par exemple. En tout cas, dans un lycée. Mmh. C'est pas parce que, genre, si ça se trouve, il va être insupportable avec eux, tu vois. Ouais. Genre, insupportable. Ah oui, tu peux avoir des potes gays et être homophobe. Non, mais vraiment, il peut être totalement homophobe et totalement misogyne avec absolument tous les gens qu'il croise. Ça veut pas dire qu'il va pas avoir quand même plus d'empathie que quelqu'un qui n'aurait pas eu ce contact-là. Ouais. Parce que c'est ce truc de, tu vois, ton oncle, tu sais, ton membre de famille raciste ou misogyne, genre, il va être quand même en contact avec une personne, genre, par exemple, genre, je sais pas, t'as un membre de ta famille, un cousin qui est un petit peu comme ça, et vu que t'as un membre de sa famille qui voit régulièrement, si c'est une famille proche, hein, parce que c'est une personne que tu vois une fois par an, tu vois, c'est un peu chaud, tu vois, mais c'est quelqu'un que tu vois régulièrement, avec qui t'as des débats régulièrement, t'es pas d'accord mais t'as des débats, tu vois. Mmh. Tu vas être quand même plus sensible que quelqu'un qui n'a jamais côtoyé ces gens-là, tu vois. Quand je dis ces gens-là, ça fait hyper... Ces gens-là. Et je parle des gens comme moi, tu vois, des gens personnels qui sont concernés. Enfin bref. On va pas reparler de ta vidéo encore, putain. Dur. Je vais passer ma vie à la réexpliquer. Bon, les gars, mais je vous jure, j'avais raison. Je vous jure, j'avais raison. On va dire ta gueule, Arcade, arrête. Tu nous fais chier. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est bien vrai, ça. Arrête de parler seul. Maidenless. Merci, oh, Coco. Ça va, Coco ou quoi? Ok, dans quel cas ça marche pas? Comment produire le résultat le plus productif possible? D'ailleurs, justement, dans les sciences, le truc le mieux à faire, c'est d'essayer de casser l'hypothèse. Dans quel cas ça marche, comment produire le résultat le plus productif possible. Alors oui, ça c'est dans la science de... Dans la science d'utopie. Dans la science réelle, c'est comment faire pour faire en sorte de trouver le résultat que je veux. Non, en vrai, je force. Mais bon, la science n'est pas une grande tour d'ivoire dénuée d'intérêt personnel. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a... Les gens se justifient souvent leur façon de penser, des fois un peu vexante ou blessante, par c'est logique, c'est scientifique, tu vois. Ce qui n'est pas une bonne raison de justifier d'avoir blessé des gens ou d'avoir machin, etc. Oui, bien sûr. En fait, il y a beaucoup ce truc de quand tu es toi-même pas à l'aise avec tes propres émotions, c'était de tout expliquer logiquement. Sauf qu'en fait, expliquer logiquement, ça n'enlève pas que tu blesses du monde ou que tu te blesses toi-même. Ou que tu es pas du tout en phase avec ce que tu ressens. Mais surtout parfois il y a une part qui est genre pas aussi expliquée. Genre, du coup, tu vas le comprendre toi-même. Merci Don. Ce qui se passe. Tu t'es pas obligé de faire un don à chaque fois que tu veux parler. Surtout que là je te lisais là. Putain. Tu peux lire genre. C'est loin. C'est là.
Une réflexion que je me fais souvent, c'est que si j'étais pas tombé sur le long article de Marlar sur le sexisme chez les geeks, et sur son Twitter où elle parle beaucoup de racisme et de tout ça, je serais une personne très différente en termes d'idées. Oui, bah t'es, bah exposé, oui. T'es exposé à des idées différentes et tout ça, tu vois. Papa, la haircut arcade. Et oui, je suis coupé de cheveux. Je n'en ai plus. C'est fini. Il les a mangés. Me guette, mais elle commence par me prendre mes cheveux d'en bas. Voilà. Loin, il n'y a aucune bonne raison d'être un connard. Effectivement. Même si parfois c'est compliqué. Il y a des gens qui ont des passés complexes. Il est coupé, décalé. Je suis coupé, décalé, effectivement. Je casse décalé, la démarche un petit peu comme Samuel Umtiti d'ailleurs. Qui es-tu? Je suis en 2018, on a gagné, je vous jure, les gars. Pardon, ça bocote. Je vais te péter la gueule. Bon, ça va, moi j'ai un peu boycotté quand même, j'ai regardé que les 3 derniers matchs. Oh oui, oui, t'as full boycotté, t'as. 3 matchs sur tous. Ça va. Enfin, la dernière Coupe du Monde, t'avais pas tout regardé non plus. Non, j'avais regardé 3 matchs. Ah oui, t'as pas boycotté. C'est exactement comme moi qui dis moi j'aurais boycotté la Coupe du Monde, alors que j'aurais pas regardé normalement. Non, c'est comme les gens. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et les gauchis. Oh, t'allais juste redire ce que j'allais dire comme d'habitude parce que tu m'écoutes pas, fils de pute. C'est bien, je suis fier de toi. Pourquoi tu m'insultes alors que j'ai littéralement pas fait? Parce que j'ai l'habitude. J'ai désolé, force d'habitude. Force d'habitude? Waouh. Alors je vais pas si souvent en plus. Oui. Oui. Finir l'ère transfemme, les gens de la communauté vont être très déçus. C'est que les cheveux longs, la transféminité? Les gars, vous avez une vision de la féminité extrêmement fermée. Hein. Bravo Coco. Bravo Coco. Hein. Merci Coco de nous avoir prouvé devant tout le monde que tu étais misogyne. Nous le sachions. Hein. Mais bref, maintenant c'est officiel. J'avais pas vu la nouvelle coupe, c'est plus trop en blancheur ça. T'as pas un cheveu court? Non, c'est parce que t'as le côté. Ça va très côté, vite. Quoi? Mais non, mais attends, cheveux longs, c'est beaucoup plus blanc. Un blanc aux cheveux longs, il est plus blanc qu'un blanc. Non, mais là, tu peux ressembler à Kevin qui joue au foot derrière le collège, tu vois. Et lui, il est plus blanc que mec que geek cheveux longs. Les deux sont des niveaux de blancheur très similaires, juste dans des mondes différents. Oui. Pas sûr de ça, hein. Tu sais, le petit gamin blanc très surprotégé par sa mère, qui est Karen. Ouais, mais pourquoi plus 3, tu vois? Je sais pas. Moi, je pense que le poisson est fou. Énergie a une vibe de Isam dans Cusco. Genre, abaisser le levier, crook. Isma? Isma, pas Isam. Non, Isam. Isaac. Sinon, ce truc dont parle FD Signifier avec Bob Burnham, ce moment où tu te rends compte de la merde et que tu n'es pas libre des billets racistes, sexistes, homophobes et que c'est la merde. Bob Burnham a parlé de racisme. Qu'est-ce qu'il est? Bah non, mais bah, il l'a fait dans Inside. Ils oui, l'ont pas. Non, là, c'est vrai. Bob Burnham, il a FD, Signifier, tu sais, le mec que je regarde, celui qui a les vidéos sur la manosphère, là. Très cool d'ailleurs. Allez vraiment checker sa chaîne. Elle est très, très, très bien. Il parle de plein de sujets cool. Et il a sa vidéo la plus connue, qui est un peu. Qui l'a fait connaître, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est une vidéo qu'il avait fait sur Inside de Bob Burnham, où il avait effectivement fait l'observation réelle que. Hey, il commence la vidéo comme ça, hein, il dit. C'est vachement bien Bob Burnham et Inside, putain, c'est trop stylé. Par contre, qu'est-ce qu'il a peur et qu'est-ce qu'il culpabilise d'être blanc? Ouais, c'est tout le sujet, hein. C'est la culpabilité. C'est la white guilt. Bon, c'est plus développé, il le dit pas comme ça, évidemment. Moi souvent, quand les gens ont de la white guilt, je leur explique. Tu sais, quand les gens se sentent égoïstes de rien faire, je suis en mode bah, garde tes problèmes pour toi. Parce que te plaindre que ça te met mal de pas pouvoir rien faire, c'est encore remettre le sujet sur toi. Du coup, tu vas arrêter de chialer. Mais je pense que c'est moins. Et tu vas tenir tes couilles. Je pense que Bob Burnham, il est moins white guilt que white doom. Waouh. Ouais, je suis un penseur philosophique. Tu sais, il est plus en mode. Putain, le monde entier dans lequel, duquel j'étais. Duquel je suis au top, on va dire, en tant qu'homme blanc, est profondément mal. Profondément cassé en son sein et va mourir. Ouais. Et donc, mon futur, c'est de baisser techniquement en niveau de vie, tu vois. Ouais. Même si tu le veux, parce que bah, ce serait mieux pour tout le oui, monde, oui, tu vois. C'est ça. Mais t'es en mode, du coup, putain, c'est la merde en fait. Ouais. Mon monde est sur le point de se terminer. Alors, le monde n'est pas sur le point de se terminer, tu vois. Je pense qu'il y a encore mille façons qu'il se termine, mais le monde, en tout cas, des hommes blancs. Ne peut plus durer, on va dire, pendant des siècles, quoi. Ouais.
Il me semble que c'était ça un peu la tech de FD, mais je crois qu'il l'a précisé de manière bien plus intelligente et nuancée, parce que c'est un chercheur et quelqu'un de compétent, contrairement à moi. Je n'ai pas fait de recherche, bien sûr, pour la vidéo JDG, j'ai mal au dire. C'est pas vrai en plus, j'en ai fait un peu. Et j'avais des témoignages, mais bref. J'en ai fait un peu. Je regarde, j'aurais dû tellement faire mon truc que j'avais fait avec la vidéo pour les trans. Trans, oui. J'aurais dû mettre des témoignages. Ouais. Oui, ça aurait vachement mieux. Je pense que ça aurait vachement plus de choses. Pourquoi t'as pas fait ça? Je sais pas, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Bah si, fils de pute. Bon, je sais pas, je me suis dit que ça allait quoi, que je disais rien de. Bah trop vite. Groundbreaking dans la vidéo, tu vois. Bah, genre, pour moi, c'était un lieu commun que les geeks avaient été harcelés dans les années 90. Quoi. C'était mais, évident quoi. Mais Arcade. Dire quelque chose comme quoi. Les hommes blancs sont des victimes, tu sais que tu vas prendre une sauce. Alors que t'as pas tort. Je ne dis jamais que les geeks ne sont que blancs. Ah oui, non, je sais, mais dans la tête des gens. Dans la tête des gens. Dans la tête des gens, tu parles des gens à la JDG, du coup. En plus, à un moment, je dis quasiment toujours un mec, relativement souvent blanc. Oui, mais les gens. Oui. Les gens ne veulent pas de la subtilité, Arcane, les gens veulent te péter la gueule. L'anecdote avec DiCaprio et Samuel Jackson qui dit « Non mais connard, c'est mardi pour nous, va dire le mot raciste pour ton taf. » Ah oui, quand... De quoi ? Quand DiCaprio avait refusé de dire le N-mot dans Django Unchained. Ah bon, il a refusé ? Genre, en fait, non, il refusait pas, il se sentait mal. Putain, ah, putain, j'en ai marre de le dire autant, tu vois, machin, etc. Et Samuel Jackson... Alors Samuel Jackson, il a un avis précis, hein, sur le... C'est genre, il est pas l'avis de tout le monde, tu vois, mais il a un avis. De toute façon, vraiment, il lui a dit « Mec, c'est un mardi, en fait, pour nous, arrête de casser les couilles. » Ouais. Bien joué. Arrête de faire le snowflake. Je peux pas dire le N-word pour un drôle, ça me fait trop mal. Bo Burnham, c'est vraiment la yassification de Twitter. Bon blanc doomer, quête, 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 QET, c'est quoi? QET? Ça? Quirky. Après, Bo Burnham, moi quand même, moi je veux bien qu'on critique et qu'on mette ses angles morts. Maintenant, blanc solide. Hein. Faites oui, ce qu'il oui. a fait. Hein. Oui. Ayez un quart du talent artistique de Bo Burnham. Après, les fans de Bo Burnham sont souvent blancs. Bien sûr. Ce qui n'est pas évidemment. Une mauvaise chose, juste c'est son public, quoi. Ah non, mais évidemment, mais de toute façon, c'est ce qu'il fait. Enfin, c'est globalement, c'est beaucoup plus facile de s'investir émotionnellement dans le travail de Bo Burnham quand t'es blanc que quand t'es pas blanc. Ouais, parce que ça parle de toi, en fait. Oui, parce que tu t'y reconnais bien beaucoup plus ouais. facilement. Et c'est pas mais un c'est mal comme... en soi. Non, c'est pas un mal. Mais c'est mais comme. Mais ça peut être, une remarque, une critique, quoi. C'est comme. C'est comme les trucs qui sont faits, destinés, qui parlent... Genre, c'est ça que j'ai pas aimé sur ta vidéo, enfin les critiques qu'il y avait sur ta vidéo. En mode, mais t'as pas parlé de ces gens-là, je suis en mode, mais on en parle pas. C'est pas le sujet. Parce que moi, je suis la première à dire, j'en ai ras le cul, des gens que tu parles de racisme ou tu parles de sexisme à quelqu'un, et il va dire, oui mais les hommes, oui mais les blancs, je suis en mode, je ne te parle pas de ça. Actuellement, c'est pas le sujet. Alors pourquoi tu ramènes tout à toi et à tes problèmes? Du coup, je suis en mode, les gens... Les blancs, les hommes, trouvez votre plateforme pour parler de vos problèmes. Parce qu'en fait, entre elles, les femmes ou les personnes afab parlent du harcèlement et des horreurs qu'elles vivent, mais entre eux, les hommes parlent très peu de comment la société les influe en mal. Et puis ensuite, du coup, ils vont sortir tout ça. Eux, on a un fort taux de suicide, on peut parler d'émotions, on peut pas pleurer, que quand les femmes se plaignent. Ou des personnes afab. Et du coup, quand des vidéos comme Arcade parlent du coup de ce genre de sujet, en mode, ah mais c'est intéressant, du coup on va parler de ça. Il y a des gens qui se ramènent en mode, oh tu parles pas des femmes, je suis en mode, mais putain vous faites la même chose en fait, genre c'est trop dommage parce que je trouve ça justement très intéressant d'avoir des vidéos, des milieux ou des trucs comme ça qui traitent de ce genre de sujet sans devoir forcément parler après, moi, je pense... des personnes qui d'habitude justement doivent supporter des gens qui viennent ramener leur gueule dans des situations qui leur correspondent pas, tu vois. Après, moi, tu vois, je considère, genre... Je pense que t'es pas obligé de parler spécifiquement de trucs très masculins, tu vois. Ou de considérer, oui. Genre, t'es pas obligé, comme dit Johnny Star, de faire entre mecs, pour moi, pour ne décider que l'angle de ta vidéo, ou pas de ta vidéo, mais on va dire de ce que tu parles, d'un moment précis, genre, mode, là, je vais juste parler de ça, tu vois. Je vais parler de cet angle-là, et je sais que le reste existe, mais je vais pas parler de... Genre, tu vois, par exemple, on va peut-être pas parler de ma vidéo tout le temps, tu vois, ouais. Mais en mode... Non, ta vidéo, c'est un bon exemple, je trouve. Mais en mode, bah, ça parlait des geeks.
et de cette trajectoire précise de geek et de qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans. Mais jamais ça a nié la misogynie de cette trajectoire de geek aussi également. Mais dire qu'on peut genre, pas. Genre, je dis pas qu'elle existe pas et qu'elle est pas grave, tu vois. Je dis juste, c'est pas ce dont je parle là maintenant. Ouais. Et c'est tout, tu vois. C'est ça. Et je pense qu'en fait, t'as pas besoin de dire que. Il faut absolument. Genre, je ne parle pas des problèmes de misogynie parce que je parle là spécifiquement des problèmes des mecs. Genre, pour moi, t'es en mode juste. Je considère que là, dans mon angle, même je n'ignore pas. Je dis juste, c'est pas de ça dont je parle là maintenant. Oui. Et surtout que t'as un peu ce truc aussi de. Moi, je préfère voir des hommes blancs parler de sujets qui les touchent et qui sont rarement parlés, genre la manosphère, etc., plutôt que de parler de sujets qui ne sont pas leurs problèmes. Moi, je vais pas commencer, moi, je suis full anti-racisme et je suis absolument pour les personnes, surtout les personnes, genre, dont qui parce que, genre, les personnes asiatiques, elles subissent un racisme beaucoup plus insidieux, tu vois. Il reste très grave, mais il est beaucoup plus insidieux et insidieux, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire insidieux. Genre, il est beaucoup plus, genre. Gentil, parfois fétichisant, parfois positif, ça reste du racisme parce qu'en fait ça te met dans une case et c'est vraiment déshumanisant. Mais tu subis moins de violence, tu subis moins genre des directes attaques, c'est plus genre sur ton comportement constant, sur toi. Et par exemple, ma soeur qui se fait draguer à chaque coin de rue, mais lourdement, et des petites remarques, on lui dit bonjour, on lui dit ni hao, des trucs comme ça, tu vois. Genre, c'est pas les mêmes expériences qu'une personne noire ou une personne arabe, tu vois. Et du coup, genre, je vais jamais parler d'expérience de racisme d'une personne noire alors que je ne suis pas une personne noire, tu vois. Et je vais regarder et partager ce genre de contenu parce que je pense que c'est intéressant, mais à aucun moment je vais en parler. Et je pense que c'est un peu pareil, genre, les gens qui se plaignaient en mode « Ah, mais les gens qui parlent pas du Black Lives Matter, ils s'en battent les couilles. » Ce n'est pas mon problème, genre, je ne suis pas concernée. Du coup, je vais partager des trucs qui en parlent, mais à aucun moment je vais prendre parole sur ce sujet, ce n'est pas mon sujet. Et moi prendre parole sur ça, et toi prendre parole sur ça, du coup pour les gens qui ont pris parole alors qu'ils étaient blancs et pas concernés, je suis en mode, c'est pas, tu n'as rien à foutre là, tu vois. C'est comme les gens qui débattent sur si Avatar c'est de l'appropriation culturelle ou pas. Je ne vais pas en discuter parce que ce n'est pas mon sujet, je ne connais rien aux cultures dont James Cameron s'inspire, et c'est ma sœur qui m'en a parlé en mode, oh ils sont chiants les gens à se plaindre, et je suis en mode, ben non, mais en fait genre, ok que tu les trouves chiants, mais genre juste ignore les trucs, bloque les gens qui parlent de ça. C'est juste pas ton problème en fait. C'est pas à toi de savoir, c'est pas à toi de dire si c'est justifié ou pas comme plainte en fait. Et ça c'est un truc, je trouve que vraiment en tant que privilégié, que tu sois blanc, riche, un homme ou cis, ou hétéro, bah après, on a souvent là, ce sale réflexe de foutre notre nez là où on ne devrait pas. Et c'est dommage, parce que je pense que on aurait vraiment beaucoup plus d'intérêt à partager des médias qui contiennent des informations sur les sujets qui nous intéressent, plutôt que de dire « Ah, je vais full en parler », etc. Tu vois. Voilà, après, t'as le droit d'en parler, tu vois. Genre, je pense que t'as le droit à avoir des intuitions, tu vois, mais pas forcément avoir des avis arrêtés oui. Sur une question. Limite, tu peux dire... Tu sais que tu n'as pas les... T'es pas équipé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est genre, c'est pas tu peux être en mode ah, de loin, j'ai l'impression que machin, si tu veux, tu vois, genre en mode ouais. Ou je pense que machin, oui. Etc., tu vois, mais faut avoir conscience, quoi. À chaque fois, je parle de trucs comme ça, les gens me disent mais on pourra plus parler de rien. Je suis en mode, je pense qu'il y a quand même beaucoup de trucs dont tu peux t'inspirer dans ta propre culture. Genre, les gens en mode ah, mais si je peux pas dessiner ce truc de cette culture là, comment je vais faire pour mon œuvre qui voulait m'inspirer. Je suis en mode, je comprends, voilà, tu as le droit de t'en inspirer, mais informe-toi. C'est en conséquence que tu pourras te prendre une sauce parce que c'est pas un sujet que tu maîtrises ni une culture dans laquelle tu fais partie. Et à côté, en vrai, il y a plein de trucs dont tu peux t'inspirer dans ta propre culture, dans des cultures proches de la tienne, tu vois. Je trouve qu'on n'est pas assez curieux sur nos propres cultures. Après, je pensais aussi, déjà, je pense qu'il y a des choses qu'on connaît pas assez sur nous-mêmes. Oui, le nombre de gens qui adorent l'Asie et qui sont full Japon et qui sont fétichisants de la Corée et du Japon. Alors que, je sais pas, il y a plein de trucs intéressants en France, en Allemagne, dans les pays. C'est tellement beau, tellement de trucs. Mais sois fier de ton pays, sois fier de tes origines, sois fier de ta culture. Au lieu de juste, tu as le droit d'adorer le Japon, hein, t'as le droit, c'est ta passion. Comme ah oui, bien sûr. Juste, va pas te dire, ok, maintenant je suis japonais. Non mais après c'est très chiant si t'es en mode j'adore le Japon et genre le Japon c'est tellement mieux que genre autre chose, tu vois. Alors que t'es juste en mode d'avoir des fans de Japon et de trouver que. Genre c'est vraiment quelque chose que t'admires, tu vois, mais faut pas non plus utiliser ça pour discréditer d'autres cultures, tu vois. C'est l'élitisme du Japon en mode c'est tellement bien, c'est tellement mieux la vie là-bas alors qu'il y a tellement de merde. Bah alors que c'est aussi une société complexe en soi, tu vois, genre en mode il y a ses problèmes, machin, etc. En fait t'en as qu'une partie, quoi. T'en as qu'une partie en plus qui est genre tronquée. Genre tu n'as littéralement accès qu'au soft power japonais, tu vois. Ouais. Donc évidemment que ça va faire que le Japon est trop stylé, tu vois. Mais
mais la réalité est plus complexe. Oui, c'est comme les agences de tourisme, mais ils montent pas la France en mode ouais, ça pisse dans les rues quoi. On considère que le Everyman n'existe pas, culture neutre, mainstream, on réfléchit assez peu. On peut en dire privilège blanc, ça fait. Ah oui, le truc de Usul. Et Usul qui parle de ça en mode ça casse les noix, on peut pas dire bourgeois, on peut pas dire homme, on peut pas dire blanc. Sauf que ouais, vous êtes pas l'universel. Mais après, je pense que là, Usul, il fait plutôt une critique des droitards. En mode si tu dis homme, ouais, on considère que non, tu ne peux pas, ça n'existe pas, machin, etc. Et que donc, du coup, tu n'as pas le droit de le dire en fait. Parce qu'il n'y a pas de. Genre, tu peux pas décrire la norme et la culture dominante comme étant ce qu'elle est. Les droitards le supportent pas. Ouais. Parce que t'es en mode, non, ça veut dire que tu remets en question une c'est société en fait. C'est Théro qui a un bon exemple, genre sur une vidéo qu'il a fait, il a dit tout un putain de trucs de gauche, mais vraiment des morales de gauche auquel il croit, c'est Théro, voilà. Et les gens étaient en mode, incroyable, vidéo philosophique, super intéressante. Et une vidéo après, il a fait un peu ou moins la même chose, sauf qu'il a fait une blague en mode ah la gauche la droite, et là c'est en mode oh vous êtes woke, oh ça dégoûte, vous étiez pas comme ça avant, genre tu vois, genre c'est vraiment les termes en fait, c'est même plus les idées, c'est vraiment les termes. Et du coup je trouve que du coup c'est intéressant parce que tu te rends compte que juste tu utilises pas les bons termes, genre tu m'étonnes que Macron il est aussi populaire, c'est parce que il fait pas politique Macron, il fait cool, tu vois, il fait cool parce qu'en fait genre il est jeune, tu fais ta com au-dessus de ah mais pas besoin de tout ce blabla politique, nous on est du centre, ah oui, et on s'en bat les couilles, tu vois. Alors qu'en fait sur la confusion. Oui c'est ça. En mode. Et aussi genre tu sais les gens. Je vais pas me placer, mais je vais juste dire que la droite et la gauche s'est dépassée, donc du coup maintenant tout le monde dit que la droite et la gauche s'est dépassée quand tu cites droite et gauche, alors que c'est des concepts opérants. Mais tu vois par exemple même pour Macron, tu vois. Par rapport à James Cameron et le truc que ma sœur Estelle se pénalise, disait ben du coup on peut plus rien faire, on peut plus s'inspirer d'autres cultures, je suis en mode ben Estelle, je suis d'accord avec toi, c'est chiant. Mais dans le meilleur des mondes, on pourrait s'inspirer de ce qu'on veut et on s'en bat les couilles. Sauf qu'on vit dans un monde où toutes les personnes, genre les personnes natives américaines, elles ont pas accès aux emplois. Genre, il y a pas beaucoup de réalisateurs américains, natifs américains. Il y a pas beaucoup de qui sont connus, tu vois. Et du coup, au lieu de. C'est pas genre James Cameron, il va se faire foutre et c'est un fils de pute. C'est James Cameron, tant mieux pour lui, mais c'est dommage que du coup, on n'a pas beaucoup de films que mainstream ou dont les gens s'intéressent, qui parlent de ce genre de culture ou qui sont inspirés de ce genre de culture, créés par des personnes concernées, tu vois. Et les films qu'ils ont créés par ces personnes concernées, ils sont pas très pubés, tu vois, parce que c'est pas des réels connus. Et du coup, il y a tout ce truc de oui, dans le meilleur des mondes, on pourrait parler de ce qu'on veut, dans l'offre qu'on veut, on pourrait dessiner ce qu'on veut, mais on vit pas dans ce monde-là. On vit dans un monde où il y a des gens privilégiés, il y a des gens pas privilégiés. Du coup, oui, il y a des gens qui vont dissuader de ce genre de production. Parce que comme ça, on peut se faire comprendre que oui, ce genre de production, c'est très bien, mais si d'abord vous voulez bien nous écouter, ce serait souhaite, tu vois. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Après, il y a peut-être une différence. Enfin. Bon, est-ce que Avatar, c'est la cible à abattre? Non, c'est juste que moi je trouve que c'est un débat, genre que les gens. Genre, même en termes, tu vois, de White Savior, tu vois. Ouais. Je trouve que Avatar, après, ça c'est mon avis, tu vois. Oui, oui. En temps blanc, mais je suis en mode, bah, Avatar, même dans le trope du White Savior, je trouve que c'est vraiment pas le pire, tu vois. Mais c'est pas c'est un des plus pire. Honnêtes, tu vois. C'est en vrai, genre, par exemple, genre, moi j'ai déjà vu, genre, moi c'était pas le premier truc qui était venu à l'esprit, qui m'était sauté à la figure, mais j'ai vu une personne native faire son analyse du truc. Et il disait le truc qui l'avait le plus fait chier, c'était la place de Neytiri dans l'histoire. Ouais, ouais. C'est le fait que, elle, pas Neytiri, mais de, en général, les femmes dans le peuple Navy. Parce que c'était très... l'homme choisit sa femme, tu vois. Et il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans... qui vont pas forcément partie des cultures, des peuples dont c'est inspiré, mais qui sont vraiment pris de... c'est très de la culture américaine, tu vois. Américaine, genre... tu sais, les gamins qui se bullient, là. Dans le 2. Oui. Je trouve que c'est très américain, c'est très collège, tu vois. Et je sais pas si dans un peuple du coup, qui prodigue. Un... Enfin, après, c'est peut-être. Ça arrive. Ah, hein. Ça, je sais pas, tu vois. On sait pas, tu vois, mais genre. Peut-être. On a une... Le film est très. Genre, ça pourrait se passer dans un collège ou un truc un peu plus futuristique. Ça, c'est très blockbuster américain, ça garde des codes très américains. Et ça va pas chercher profondément dans des thèmes comme ça, tu vois. Après, je trouve qu'il y a des sujets intéressants. Ça y va quand même parfois. Mais je dis ça pas. Ça montre quand même une autre culture. Après, ça, moi, mais... je te enfin, dis... pas une autre culture, ça reste. En vrai, quand même pas... comme je dis, c'est un sujet sur lequel je peux pas débattre parce que j'y connais rien, tu vois. Mais. Bah, c'est plus dur, tu vois. Je comprends d'où. En vrai, c'est ce genre de truc que je vais arrêter la discussion là parce que sur le sujet sur lequel je m'y connais pas. Et j'ai pas envie de dire de la merde, tu vois. Et du coup, tant mieux vaut ne pas en parler. Parce que c'est pas. Bah, ça, je sais pas, tu vois, non plus. Mais. Enfin, je comprends être en mode, bah, j'arrête, tu vois, mais après. Je pense après, les gens. J'ai rien d'intéressant à dire, en fait. Oui, oui, je sais. Après, je veux pas que, genre, en mode, ça, des gens parfois s'empêchent de parler, genre, en mode, par flip, de dire des trucs horribles, tu vois. Alors, moi, parfois, par t'es en mode. Ouais, c'est ça, moi, parfois, par t'es en mode. Que... Bon, tu sais, tu vas dire des trucs qui sont peut-être, genre,
genre mal informé, tu vois, ou un peu ou à vide blanc, tu vois. Mais c'est peut-être pas non plus si grave. Faudrait que les gens aient le droit à l'erreur, tu vois. Par exemple, moi je décide de même pas si de je moins comprends, parler de ça. Tu t'es en mode, bon putain, ça fait la sixième fois que j'entends ça dans la semaine. Ouais. TG, tu vois. Ouais. Je comprends. Mais en même temps, bon bah, de poids de mesure, je comprends le TG. En même temps, je comprends la personne qui est juste en mode, bah, je sais pas, moi j'ai juste envie de parler d'un truc parce que, ouais, parce que c'est un sujet. Bah, c'est qui comme il y a des personnes. Vois, j'ai envie d'en parler. Il y a des personnes de couleur qui seraient en mode très à l'aise de répondre à personnes qui ont jamais vu de personne de couleur. Ou alors, tu sais, il y a des gens qui sont en mode. Ne demande jamais à une personne noire de si tu peux toucher ses cheveux parce que c'est hyper pas poli, mais il y a des gens qui sont hyper à l'aise, oui, avec voilà. Ça. Tu vas voir des personnes, genre des descendants d'immigrés et des immigrés et des personnes natives du pays qui sont restées dans leur pays d'origine, c'est pas du tout le même sujet, tu vois. Par exemple, genre, je pense que la nouvelle génération a plus subi, genre, par exemple, la nouvelle génération de personnes asiatiques, genre en Belgique, ont subi beaucoup plus de fétichisation, alors que par exemple, mon père a subi beaucoup plus du racisme. Enfin, la fétichisation, c'est du racisme, mais un racisme direct, en mode Shintok, tout ça, tu vois. Alors que ma sœur, elle s'est pris des « Oh putain, comme Jimin dans BTS !» Ce genre de dose, tu vois. Parce qu'en fait, et c'est pas forcément mieux, c'est juste différent, tu vois. Genre, à la limite, ce que tu peux te dire en tant que personne de couleur, en tant que personne asiatique, dans ce contexte-là, c'est « Ouf, heureusement, on frappe plus, tu vois. » Après, il y a aussi, ta sœur est une meuf asiatique, ton père est un mec asiatique. Ouais, mais les mecs asiatiques, ils sont super fétichisés aussi. À la limite, les meufs asiatiques étaient là, oui. À la limite, À la limite, les meufs asiatiques. Ça dépend s'ils sont dans les canons de beauté, tu vois. À la limite, oui, mais ça c'est un autre truc, c'est un sujet de voilà quoi. Mais à la limite, les meufs asiatiques ont toujours été fétichisées, enfin toujours. Dans les années 80 et tout ça, elles étaient déjà fétichisées comme exotiques. Et maintenant, les meufs et les mecs sont fétichisés comme BTS. Parce que justement, à l'époque, c'était les meufs sont fétichisées parce qu'elles sont plus serrées, et les mecs sont moins fétichisés parce qu'ils ont une petite bite. Voilà. Je pense pas que le problème c'est les blancs qui donnent leur avis sur les problèmes techniques. Le vrai problème c'est que le fait que les gens entendent mieux le message quand c'est dit par une personne blanche, oui, que par une personne concernée. Mais du coup justement, au lieu de prendre la parole à la place des personnes concernées, mieux vaut avec notre plateforme de personnes privilégiées donner de la parole. Et aussi le fait, enfin les personnes blanches quand ils entendent une personne racisée qui est pas d'accord avec eux, soudainement la parole des concernés devient moins importante, tu vois. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire que t'acceptes la personne concernée seulement si elle est d'accord avec toi. T'as et son discours seulement si... bah, c'est-à-dire que je sais pas si j'ai un exemple, là, comme ça, de quelqu'un qui a fait ça, tu vois. Mais globalement, genre, en mode même... genre, un discours de personne concernée qui va pas dans le même sens. Tu vois, genre, c'est pareil pour... Il y a des gauchistes qui disent, genre, en mode, il y a des bonnes et des mauvaises victimes, tu vois. Ouais. Il y a les victimes qui sont d'accord avec le discours gauchiste. Il y a des victimes qui quand elles sont en mode critique, on va dire machin, etc., bah, vont beaucoup plus être ouais, pas écoutées, tu vois. Et c'est pareil côté droitard. Droitard, putain, à quel point est-ce qu'ils vont exploiter la personne racisée qui les soutienne, tu vois. Ouais, en mode, regardez ou alors les personnes LGBT. En mode, regardez, cette meuf, elle s'est fait taper par des personnes arabes parce qu'elle était gay. Oh, on soutient de fou cette personne. On devrait. Ouais, dégager voilà. Tous les immigrés parce que c'est forcément leur faute que l'homophobie existe, tu vois. Genre, et ça montre aussi que genre en mode bah genre tu peux être racisé, avoir en fait à peu près tous les avis du monde. Oui. Tu peux être racisé et raciste envers ta propre ethnie. Ouais voilà. Mais les mouvements racistes vont immédiatement exploiter. Ouais. Il y a plus personne qui parle dans ce chat. On vous a emmerdé, on change de sujet. C'est finito. 2023, plus de stream raciste. Quoi, tu attaques ta propre race, mon frère. Ne dis pas de la merde sur mon stream, je t'en supplie. Mais Cartas, tout le monde sait que t'es raciste. Quoi? C'est vrai. Je joue à Minecraft et oh, c'est nul Minecraft. C'est pas vrai. J'y ai passé tellement d'heures. Tant d'années. J'y suis parti quelques instants, j'ai raté quoi? Bon, classique shit. Classique shit, on parle de racisme et de sujets woke. On parle des trois sujets qui sont existants. Racisme, sexisme, transphobie. Le sujet dans les streams de Cartas. Ah, j'adore, mais même pas dans les streams, c'est juste dans la vie. Je suis pas c'est vrai, de ça. Dans la vie. Trop chronique Alien Online, cette discussion. Ça, c'est vrai, par contre, il y a un vrai truc aussi. C'est qu'il y a plein de trucs où t'es en mode ah, il faut pas dire ça, il faut pas faire ça, machin. Quand t'es dans un rapport interpersonnel avec quelqu'un, genre, quand tu parles à quelqu'un, ça change la dynamique.
Genre, évidemment, je suis pas en mode, ça veut dire vous pouvez dire tout ce que vous voulez en face de quelqu'un, c'est pas... Non, mais c'est juste que vous allez sentir qu'il n'y a pas la même relation. Oui, c'est ça. Genre, vous allez... Moi, j'ai appris à être plus chroniconné online parce qu'à force de parler avec mon beau-père, j'ai réalisé que je pouvais pas parler avec mon beau-père quand je parle avec R4. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, genre, c'est beaucoup plus intégré qu'on s'énerve vite en réseau, tu vois. Attention, attention, screamer. Homestuck. Homosuck. Genre, alors que quand vous parlez directement à quelqu'un, genre parfois vous avez, il y a des gens qui vont vous, genre, tu sais, sur internet il y a parfois des sujets qu'on dit genre, non, faut pas en parler, faut laisser les gens tranquilles. Parfois si vous êtes assez pote avec quelqu'un et que vous savez, vous vous faites confiance, ouais, bah tu peux parler d'un truc. Ouais, en fait le truc et c'est que... Du coup la personne va être en mode, si ça se trouve elle, ça la saoule, elle va te le dire, ou sinon ça va être en mode, bah ouais, bah je sais pas, je pense ça, machin, etc. En fait, tu vois, et vous allez vous affronter à peut-être quelqu'un qui est pas militant, qui a son propre avis, qui machin, etc. Le truc que les gens comprennent pas, c'est que genre... Les rapports interpersonnels. Tu dois pas... Le truc que les gens comprennent pas, c'est en mode ne sois pas intrusif. Parce que genre le truc de tu ne peux pas toucher les cheveux d'une personne, tu ne peux pas demander à une personne noire de toucher ses cheveux. Tu vas pas voir un inconnu que tu rencontres dans une soirée et lui dire je peux toucher tes cheveux. C'est ça qu'on dit en oui, fait. Oui, c'est bizarre. C'est pas genre pas ça, s'il vous plaît. Ça fait 3 mois que t'es pote avec un mec et tu lui dis hey, mec, je voulais juste toucher pour voir, tu vois. Et il y a ouais mec, je m'en fous, tu vois. Genre à la limite ça se fout, tu vois. À la limite bizarre. Tu peux toucher tes cheveux pour voir. Moi, bon, limite, genre, je pense que si t'es pote avec le mec, t'aurais eu l'occasion enfin, après, de défleurer enfin, oui, ses cheveux. C'est que des trucs. C'est que des. En fait, c'est que du cas par cas. Genre, parfois, il y a des gens qui vont dire ça. Mais je suis sûr, et ça se soirée, voit qu'ils sont bizarres. En fait, oui. Les gens qui font ça, ils sont juste en mode wesh. Mais t'es pote avec quelqu'un et tu vas lui dire des questions ultra, genre limite sur les personnes noires, ça va juste le faire rire, tu vois. Et il dit oh mec, je suis désolé si. Mais il dit oh non, c'est bon, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire. Ou même l'inverse, ah oui, non, tu de vois. De toute façon, c'est des trucs. En fait, c'est des trucs au cas par cas, très souvent. Et tu rentres dans du cas par cas, et c'est là que ça devient plus compliqué, où t'es en mode bon. Genre, on fait réellement, quoi du réel Réellement, genre bon, c'était le collège, du coup les gens étaient un peu cons, tu vois. Mais entre t'as déjà bouffé du chien et une pote que avec qui je parlais tout le temps qui me disait je peux te demander sincèrement est-ce que ça mange du chien en Asie, tu vois. Genre, tu vois. Oui, c'est pas la différence, même, tu vois. Vois. La meuf, je lui dis non, enfin en tout cas c'est pas moi, j'en ai pas vent, surtout que je viens pas d'Asie, du genre, coup il y a quelqu'un qui régurgite un stéréotype et il y a quelqu'un qui se pose une question sur un stéréotype. C'est ça, ouais. C'est pas exactement genre, moi, la même chose. Quand j'étais en Corée, j'ai demandé à des meufs qui faisaient la traduction pour nous, est-ce qu'on mange du chien en Corée ? Et ils nous ont dit, c'est un vieux truc, il y en a presque plus. Il y en a un peu, mais il y en a vraiment presque plus. Et plus aucun des jeunes coréens ne mange de chien, mais il y a des vieux qui le font encore, tu vois. Qui sont les gens qui veulent toucher les cheveux des autres en mode pure curiosité, genre, allez, ça existe vraiment. Ça, c'est vrai, par contre, pour moi, ça vient d'une autre planète, du fait de vouloir toucher les cheveux de quelqu'un, mais... Je ne veux pas toucher les gens, en fait. Ouais. Laissez les gens tranquilles, point. Mais bon, les gens ont différentes philosophies. Si vous êtes un peu bobo, oui, un peu Gaïa, un peu puissance de la nature, en mode, est-ce que je peux être un peu tactile. Est-ce que tu peux me masser le pied. Solution, soyez chauve. Alors, je sais pas, parce que les caresses surprises, les caresses surprises, oui, des chauves. Sur les gens qui sont chauves, je pense que ça va être insupportable. Je pense qu'ils doivent en avoir plein. Hein. Ce qui est d'ailleurs pas mieux, en fait. Hein. Genre, ne caressez pas vos potes chauves, je t'en supplie. Par contre, quand t'avais les vaches longs, personne ne t'a touché les vaches en mode random. Non, pas par surprise en tout cas, il me semble. Peut-être, ou alors je l'ai pas senti, ou alors je m'en rappelle pas. Mais il me semble pas. Et même, je crois qu'on m'a jamais posé la question, est-ce que je peux les toucher, quoi. Mais de toute façon, mes cheveux sont... Enfin, j'ai des cheveux de blanc, quoi, enfin, ça va. Oui. Donc, ils sont pas intéressants pour des blancs... Bah ouais, c'est des cheveux de geekos, quoi. Pas ils sont gras, ils sont mal coiffés. Et voilà, quoi. Bon, ils frisent quand ils sont lavés parce que je suis de descendance juive, mais c'est tout, quoi. Je connais des gens avec des cheveux ultra doux, c'est juste agréable de toucher ses cheveux. Oui, il y a des gens qui sont plus tactiles entre eux aussi, tu vois. C'est une différence de personnalité aussi. Moi, je suis vachement tactile, tu vois. Je pourrais demander à quelqu'un pour toucher ses cheveux. Ou même le faire, genre sans demander par réflexe, mais si tu es vraiment à l'aise avec la personne, tu vois. Je reviens sur ne caressez pas vos potes chauves, très bien. Et non, ne le faites pas. Laissez vos potes chauves tranquilles. Je touche souvent le crâne chauve de mon gros daron. Après, la relation enfant-daron, pour moi, oui, c'est pas pareil. Est quelque chose dans lequel c'est évolué des dynamiques, ou dans lequel beaucoup de choses sont permises. C'est vraiment pas sympa, ma sœur et moi, parce qu'on bully notre père. Genre... À Noël, ma sœur lui a offert un bonnet et elle lui a dit c'est pour cacher ta grosse calvasse. Et mon père a fait une grosse grimace, il était pas content. Elle a dit sous ces termes-là,
c'est pour cacher ta grosse calvasse de daron. Et, on a et oui, dit, mon père. On a dit, je suis maintenant assez vieille pour t'insulter sur ta calvasse. Dans le magasin, on a mis le bonnet et on a dit, je suis sûr, on va vers le maître, il va faire. Et faire cette tête-là. Et on lui a dit, et il a fait cette tête-là. Et on était. Ah on s'est juste foutu de ça. Même moi, je vois la gueule que fait ton père. Hein. Ouais. Tu connais trop ma famille. Tu es juste mon cousin, en fait. Alors, j'ai pas vu ton père tant que ça. Oui, j'ai plus vu ta famille que t'as vu la mienne, je pense. Ah, t'as plus vu ma mère, quand même. Non, j'ai pas mal vu ta mère, quand même. Oui. Ça sonnait de fou. J'ai vu ta mère. J'ai pas vu ta mère, quand même. Hein. Le cousin. C'était dingue ce que tu me proposais. Merci de t'avoir donné avec Prime. Bravo. Bravo pour le Prime. Ils sont surtout mal coiffés, Arcade. C'est vrai. Je ne sais pas me coiffer les cheveux. Voilà, j'angoisse. J'ai encore... Mais ça, c'est mon côté geek. Mais ça fait partie de mon identité. Il faut aussi l'assumer. C'est comme ça que je suis. J'ai la flemme. Mais parce que parfois, il y a un côté, je me trouve dégueulasse en termes de cheveux, mais je ne sais pas le faire. Et j'ai vraiment la flemme. Et quand je le fais, j'ai l'impression de ne pas être moi. Je suis en mode... C'est bizarre. Je ne suis pas moi si je ne suis pas dégueulasse. Genre, c'est bizarre. Mais peut-être que ça passera. Mais c'est bizarre. De quoi ? De quand je me coiffe trop. Ah oui. J'ai l'impression que ça me va pas, tu vois. Je suis en mode, non. Non, parce que tu sais pas, tu connais pas les techniques. Parce que moi je me coiffe pas. Non mais toi. Mais je toi, sais quoi me coiffer. Toi TG. Toi TG. Non parce que genre. Non, mais non. Arcade. Non. Mais si. Non. Ah non, toi s'il y a bien un truc sur lequel tu n'as pas le droit de parler, c'est tes cheveux ou ta peau et ton visage. Tu te tais. Oui, je n'ai jamais eu de bouton. Tu te tais. J'en ai quand j'en ai. La meuf c'est turbo décolorer les cheveux. Regardez, ils ont l'air doux. Ah, ils sont doux, ils sont en très bonne santé. Je pourrais faire 5 décolleurs. Je pense que j'aurais fait ça, mais ils auraient. Mais les miens, mais. Avec de la paille. Mais dégueulasse, mais vraiment, je suis en mode. Mais est-ce qu'un cheval. Enfin, éloigne-toi de ce cheval, il va te manger la tête. Il va te mordre. Va-t'en, vite. Non, mais. Quand je. Je te hais. Si je les sèche pas d'une certaine façon, ils se mettent mal et je les éprouve moches. Il faut que. Mais j'ai appris. Parce qu'en testant des trucs, toi tu testes jamais rien. Ah si, je teste des trucs. Bah attends, ouais, j'ai eu les cheveux longs. C'est vrai. Tu testes, c'est bien. Mais oui, il faut tester. Oui. Faut pas se laisser abattre. Après, il faut parfois partir de l'angoisse. Parfois, il faut se dire que quand vous regardez quelqu'un, vous faites pas tant attention que ça à ses cheveux. Oui. Ou à même d'autres points de son visage. Ou juste tu fais pas attention genre, aux gens. Vous la prenez dans sa globalité. Et vous êtes en mode, ok, c'est à ça que ressemble cette personne. Ah bah, juste ensuite, vous allez arrêter de faire attention. J'ai pris un coup de poing. Oui, mais ça fait longtemps, tu vois. Parce que tu m'avais dit Milon. Les premières choses que j'ai dit à Arcade en le revoyant après plusieurs semaines, c'est. J'avais dit Milon. À la base, je devais juste couper un peu, genre, en gros, mes cheveux étaient vraiment très longs et je voulais les garder longs, mais beaucoup moins. Genre, enlever de 5-10 cm, quoi. Je sais pas combien ça fait, mais en bref, pas les garder attachables, quoi. Puis ensuite, je me suis dit, ce coiffeur va me coûter 30€. Autant essayer quelque chose. Donc du coup, j'ai dit couper s'il vous plaît. Non, si Rémi, je te jure. Quoi non ? La théorie de quand tu regardes quelqu'un, tu fais pas attention. Oui, tu t'en bats les couilles. Tant que ça. Ou alors parfois tu prends genre tu vas voir la coupe de quelqu'un. Moi le truc que je remarque, tu vas la trouver stylée. Le seul truc que je remarque vraiment premièrement chez les gens, c'est quand s'ils ont des dents dégueu. La première chose, mais les gens te sourient. Oui, c'est pour sourire de moi du coup. Quoi ? Pourquoi ? Quand les gens ont les dents, ah oui. Pas pétées, parce qu'elles sont pétées, quand elles sont dégueu, ça me dégoûte. Et je suis une personne moi, qui. Moi j'aime bien les gens avec les dents pétées. Oui, pétées, non pas pétées, dégueu. Parce que moi je suis une personne qui oublie souvent de brosser les dents. Mais même si j'oublie souvent de brosser les dents, je fais toujours attention, genre je regarde dans le miroir qu'elles soient pas dégueu. Mm. Parce que je sais que moi ça me dégoûte, c'est les autres. Moi ça va, moi vraiment je m'en fous. Moi ça me. Du coup, il y a des gens, des fois j'ai envie de leur dire brosse-toi les dents, ça t'aidera. Genre... Oui, je trouve ça, moi j'aime bien, genre les. Enfin non, quand c'est vraiment jaunâtre. Non, mais c'est pas jaunâtre, c'est du tartre. Ah oui. Dégueu, j'ai dit. Parce que péter, ou démonter, ou de travers, ou jaunâtre, ça c'est normal, tu vois. Ça, oui, normal, oui, quand c'est vraiment c'est sale quoi. Tu n'as aucun contrôle dessus. Mais quelqu'un qui a les dents dégueu, genre ça me bloque direct, tu vois. 30€ le coiffeur, je ne pourrais l'imaginer enfoiré. Bah alors, pourquoi tu t'énerves, Rémis ? Que se passe-t-il ? Ah oui, parce que c'est plus cher pour vous. Oui, c'est vrai, c'est vraiment plus cher. Le premier truc que tu remarques, c'est les fringues, non ? Je sais pas, je pense que ça dépend des gens. Ça dépend, mais en fait, c'est des inconnus, je m'en fous. Bah, après... Non, mais il y a des gens qui regardent plus facilement les fringues, il y a des gens qui... Les flingues. Oui, les flingues, effectivement. Si quelqu'un avait un flingue, après, généralement, quand je me balade dans la rue, je vois quelqu'un avec un flingue, je vais faire attention aux flingues. Je vais me dire, ce mec a un flingue. Je l'ai vu.
moi et mon coiffeur arabe à 12€ la coupe. Je comprends, mais après je suis allé une fois dans un coiffeur arabe à 12€ la coupe et il m'a fait un truc que j'ai haï. Du coup, j'y suis pas retourné. Voilà. Tu es raciste ? Oui. Ah. Absolument. C'était quoi ? Je crois que j'ai demandé cours. Et du coup, il m'a fait vraiment cours. Ah oui. Et j'étais en mode, ouais, je suis dégueulasse. Et du coup, je suis pas retourné. T'as dit, ouais, tu t'es dit, ouais, c'est dégueulasse. Tu as dit, oui, parfait. En plus, il s'est foutu de ma gueule. Il a bien vu que j'étais un petit blanc riche. Il était en mode, lol. Cours comment ? J'étais en angoisse. Et parce que déjà qu'un coiffeur ça me stresse parce que je suis un geekos, j'étais vraiment en mode je suis blanc. Je ne sais pas, cours que je sais pas. Et du coup il m'a fait cours, je sais pas. Et c'était bien cours, je sais pas du coup. Non. Ah bah voilà, c'est ta faute. Moi c'était pas laid, juste moi je trouvais que ça m'allait pas. Alors qu'en vrai ça allait très bien, tu vois, mais. Enfin ça allait pas très bien, mais ça allait quoi. Du coup maintenant tu veux que je sois des coiffeurs blancs, espèce de raciste? Bien sûr, bah non, j'ai procédé à ne pas aller chez coiffeur pendant 3 ans. Moi, tu sais, genre, j'ai des coiffeurs qui m'ont raté, maintenant je me coupe les cheveux toute seule. Bah ouais, hein. C'est bien, moi je suis pour se couper de ses cheveux tout seul. Mais quand vous avez besoin de faire des trucs quand même un peu précis ou de faire des grands changements, parfois c'est quand même pratique d'aller chez le coiffeur. Tout le monde au Nouvel An m'a dit, quand j'ai dit que c'était moi qui m'avais coupé les cheveux, ils étaient flabbergastes. Hein. Ils étaient en... Ah bon ? Bah t'es peut-être juste trop forte. On repense à Mano actuellement pour les cheveux. Ah oui, parce qu'il s'est coupé trop court. Oui, effectivement. Et pourquoi il s'est coupé trop court ? Et pourquoi il a dit qu'il avait pas le choix ? Genre, on l'a tenu choix, en otage pour le j'ai couper pas le choix, mec, ma famille est en jeu. Elle est dans une cave actuellement. Si je te fais pas une coupe courte, je vais mourir. Ok, vas-y, mec. Pour ta famille. D'accord, mec, mais c'est pour toi. Depuis, c'est le filleul de ses enfants. C'est le filleul de ses enfants. C'est le parrain de ses enfants. Ah oui. Tu veux bien être le filleul ? Mon fils sera ton parrain. Stylé. Oh, tu peux. C'est pas l'âge qui définit le parrainage. Non, tu peux, totalement. Oh, waouh. Je suppose. Tu seras le filleul de mes enfants. Mais c'est globalement bizarre, mais... Tu pourrais être le filleul de tes enfants. Je pourrais être... Comme ça, j'aurais un cadeau d'eux à mon anniversaire. Pourquoi Benjamin, il m'a pas offert un cadeau à Noël ? Pourquoi ? C'est mon parrain pourtant. Je comprends pas. Après, bon, il y a un âge où ça devient plus commun d'avoir des cadeaux de ses enfants aussi. J'ai été nul à Noël, moi j'ai offert des cadeaux à personne. L'année prochaine, il faut que je me bouge le cul. Oui, quelle grosse merde, moi j'ai offert des cadeaux à vraiment tout le monde. Est-ce que vous avez passé un bon Noël d'ailleurs ? Est-ce que votre Noël était coolos ? Est-ce que votre nouvel an était coolos ? Est-ce que vous avez pris du plaisir ? Fur. De fou. Oui ? D'accord, vous allez juste me dire oui, quoi. J'aurais pas dû poser cette question. Elle était nulle à chier. Je suis pas un bon entertainer. Juste fêté avec mes parents, c'était tranquille. Ah putain, Flo, zut. J'ai bu, putain. Comment ça, zut ? Ah non, tu parles de Noël. J'ai vu que tu parlais du Nouvel An, Flo. Donc, du coup, mais oui, mais non, mais tu es là, espèce de fils de pute. Mais je sais, mais je rentrais dans la blague. Trop bien, Noël, c'était trop la meilleure fête. Ah ah ah, ouais, Mano, toi de fou. Toi qui adore Noël et tout. Manoa, vous savez que c'est le premier à sortir. Vous savez que Manoa, en juin, il nous parle de Noël. Il adore Noël. Et il adore. Faut lui en parler tout le temps. Il commence, il en parle tout le temps et tout. Mais c'est ouf, hein, je te jure, il habitait ici. C'était octobre, Halloween venait de finir. Et bam, il sort les boîtes. Genre, c'est. Ouais, de fou. Il adore Noël. Mais c'est. Il aime trop l'ambiance. C'est qu'il il a dans, peur, son, dans sa playlist de base, il y a. I want you for Christmas de Mariah Carey. Ça veut pas ça la parole. Si, c'est ça. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas, I want. Bah, c'est un peu ça qu'elle dit finalement. J'ai dit un synonyme quoi. J'ai dit la musique d'un autre univers. Oui, vas-y, mansplain-moi, Mariah Carey, je t'en supplie. Waouh, non, pas d'argument gauchiste pour gagner une discussion. Ça dépasse les bords. Je parle pas de politique, je parle de mon quotidien, du sexisme que je subis. C'est trop facile. C'est parce que tu le fais tous les jours, du coup, j'ai l'habitude. Oui, vas-y. Est-ce que c'est bon l'eau ? Oh. Ouais, oh. Imaginez, vous êtes sur Terre, vous êtes un humain et vous aimez l'eau. C'est trop bon. C'est excellent d'être humain. Waouh, t'es trop heureux. C'est la folie. Imaginez être sur Terre et ne pas aimer l'eau. Oh.
Il y a Flo qui m'a envoyé... Cartaz, non! Cartaz ne signe pas qu'à 22! Cartaz, on est en 2023, il faut signer qu'à 23! Et il m'a mis le même pas. De... Walter White. Si loin, mais pourtant si proche. Et oui, les gars, c'est 2K3. Quoi? 2K23, pardon. Quoi? 2K3, c'est 2003. Comment et oui, les gars, on est revenu 20 ans en arrière. Qu'est-ce que vous faisiez en 2003, vous? À part peut-être crier. Et j'ai crié. Crié! Manon, le plus gros dick-eater du Père Noël, à de fou. Pour quelle... Manoa, il a une collection de photos sur des genoux de tous les Pères Noël de France. Oui. Sur son frigo. Il met toujours, mais pas, tu vois, quand on met les cookies, les gâteaux là pour le Père Noël. Manoa, il met genre un gâteau entier, il met pas juste des gâteaux et un verre de lait, il met une bouteille de lait. Ouais. Dans un vase en cristal. Non, il achète une vache. Il nourrit l'herbe spécialement faite. La meilleure herbe faite pour le Père Noël. Acheté au Groenland. Acheté en Islande. Parce que c'est Greenland. Je me suis trouvé parce que Groenland, c'est ça le truc, c'est que Groenland c'est de la glace et t'as Green dedans et Islande il y a oui, ice et c'est de l'hiver. Ils étaient fous, hein. En vrai des shit posters, hein. C'est dingue. J'ai vu cette blague sur genre Connery QC à l'époque. Et le nouvel an, j'avais le trop le seum d'avoir pas pu faire mon traditionnel gros film de merde de fin d'année avec des potes. D'accord. Poisson. Mes petits frères ont une PS5 chacun et moi pas dans... Quoi? Quoi? Mais tu m'avais pas dit ça? Qui ça? Ils ont une PS5 chacun? Qui les fr... Qui, Brivis? Oui. What? Mais comment c'est possible? J'ai menti ma big bad. Ça va. Je pense qu'avec Kerry, on va se marier le jour de Noël, pour que personne ne puisse fêter Noël. Les gars, c'est la troisième fois que vous avez dit ça, et je sais que vous avez tiré ça dans l'épisode de Doctor Who. Vous me l'avez dit trois fois. Ils vont le faire. Et ils vont vraiment le faire. Ils vont vraiment le faire, ces fils de pute. Mais j'ai une famille à voir une seule fois par an. C'est vrai, en plus. Je suis vraiment à une merde en tant que cousin, slash petit-fils, slash neveu. Moi, j'ai pas un rapport très très proche à ma famille. Moi non plus. Enfin, si, mais. Plus que moi, je mais je vais pas les voir, tu vois. Après, j'aimerais bien voir mes cousins plus souvent parce qu'ils sont vraiment chouettes. Enfin, c'est des petites merdes parce que c'est des enfants, mais. Wow. Mais c'est des. C'est... Ils sont cool, c'est des geeks. Mais on va pas les voir là. Non, pas tes cousins, t'es. Non, c'est mon. Non, là, on va voir tes neveux. Faut d'ailleurs que je vois avec Estelle. Parce que j'avoue, j'ai très envie de les voir, mais j'ai la flemme de m'occuper d'enfants. Faut les nourrir, faut les tirer par la main quand tu vas dehors. Enfin, Cyril, ça va, tu vois, il est grand. Mais... Ouais. Oui, je pense que ça va si tu commences à tenir la main de Cyril pendant qu'on va dehors. Il va être commencer à dire c'est gentil, mais stop. Plus jamais. Je pense qu'il va commencer à plus vouloir te voir non plus. Bah alors, on se voit faudrait faire attention, il voudra. Là, je suis occupé à rien faire et du coup, stop. Ok, t'iras voir ta famille et tu seras pas à mon mariage, super. Waouh, tu vas me faire ça. Je vais louer une voiture. J'irai voir ma famille à Noël. Et je roulerai à 210 km à l'heure sur l'autoroute française pour aller récupérer voir. Le mariage. Récupérer. Et t'embrasser et te voler à Kerry. Comme ça. Pour dire, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette union? Et je rentrerai avec la voiture dans la mairie. Wow. Terrible. Et je dirai non, je n'avais pas trouvé de place de parking. Je vais m'asseoir. He thinks he's Bojack Horseman. Je crois que je suis... Non, c'est pas dans Spider-Man qu'il dit stop. Non, c'est dans Mamma Mia. Oui. Mamma Mia. Here we go again. My, my. J'avais vu des gens qui faisaient une comparaison justifiée entre le nouveau Knives Out et Mamma Mia. Ah bon? Oui. Parce que le prochain... On l'a pas vu, hein, d'ailleurs. Donc taisez-vous. Il se passe sur une île grecque, apparemment. Ah. Et donc, du coup, c'est genre... James Bond est invité sur une île grecque pour résoudre un mystère. Une autre idée de fou, on s'est dit qu'on allait embaucher nos potes le jour du mariage pour pas avoir à payer des employés. Bah faut quand même nous payer. Bah du coup si tu nous embauches. Ou alors en tant que bénévole du coup. Tu veux dire juste, on va demander à nos potes d'aider. Gars, j'ai une idée de fou. Les mecs qui sont là pour la fête, on pourrait leur demander genre de m'aider à faire la fête. Ce serait trop bien, non? J'ai créé ce concept hier. J'ai pas tout écouté ce que tu disais, excuse-moi. C'est pas grave, c'était visionnaire, mais t'as juste pas refusé d'écouter le futur, c'est tout. Dis-moi.
Non, non, c'est tout. Putain. Tu l'as laissé passer, le train est parti. Dis-le. Tchou-tchou. Je allez. Je supplie. Oh là là. Combien de dessins ça fait, est-ce que tu sais, toi? K2000. De quoi? On en est combien, là? Rémis a dit, t'as fait combien de dessins pour l'instant, K2000? 3. Il m'en manque 10. On l'a bientôt depuis 2 heures. Ah bon? Juste fort. Ah, ça va vite. Bah, j'en fais encore genre 2, et puis on arrête et je continuerai de mon côté. Mais moi, j'aurais bien avancé. Merci d'être là. Imaginez spoiler Mamma Mia. Non, mais attendez, mais non. Mamma Mia, de pute. Après, spoiler Mamma Mia, c'est qui le perd? Non, ouais, en vrai. Si tu spoiles, c'est qui le perd? C'est, ça reste sympa, tu vois, mais c'est moins bien. Après, je suis là pour les musiques, tu vois. Mais... Et vous, vous savez qui c'est le père dans ma mamie, hein? Parce que moi, oui. Putain, il y a un bouton delete. Je viens de réaliser. Trop bien, maintenant je sais. Comment c'est un bouton delete? Bah, il y a un bouton delete, du coup, tu veux directement envoyer la campagne, au lieu de faire clic droit et supprimer. Ah oui? Je savais pas. Moi, je le savais, mais je l'utilise jamais. J'ai appris ce que faisait CTRL Z il y a un an. C'est... Non. Si. Quoi? Avant, j'utilisais la flèche. Mais t'as pas regardé les vidéos de Cyprien? Je pensais que c'était quoi en informatique? Tu travailles sur un ordinateur? Oui, je pensais que c'était genre technique. Je pensais que c'était sur Linux. Exact. J'ai fini Sonic Advance. Bravo, Sonic Advance, il est bien. Moi, je suis pas une vraie geek. Gros geekos, t'as pas trop envie toi aussi de faire CTRL Z dans la vraie vie? Ta gueule. C'est Cyprien dans le texte. Putain, j'ai pas vu le dernier court-métrage de Cyprien, là. Il a refait un court-métrage japonais. Oui, j'avais envie de le voir parce que j'avais vu le premier, j'aimais beaucoup son premier. Il a l'air joli visuellement. Bah, ça se passe au Japon. Forcément, c'est joli, c'est joli le Japon. Le Japon, c'est joli. Après, je pense que quand on parlait de fans de Japon, je pense que Cyprien rentre dans cette catégorie. Son flop. Ah ouais? Non, quoi, c'est pas bien ou juste ça a pas eu de succès? Il a juste pas eu de succès. Enfin, pas juste, il a pas eu autant de succès qu'il pourrait l'avoir. Et il a eu les nerfs. Oui, bah évidemment, il a pas eu autant de succès que les prises électriques, mais bon, c'est comme ça. Level design pas dingue, trop de pics et d'ennemis mal placés. Ah ouais? Pourtant, c'est vraiment un court métrage et pas du tout un jeu. Pourquoi? Monsieur est trop con. Renseigne-toi. Il parlait de Sonic. Il parlait de Sonic. C'est très drôle. Pourtant, c'est un court-métrage. Ça n'a rien à voir. De quoi tu parles? Mon Dieu. Bizarre les ennemis à placer les pics au Japon. Bizarre! Putain. Bon alors après, trop con, t'as découvert. C'est pas le premier Sonic auquel tu joues, parce que c'est tout le temps ça, Sonic. Surtout les Sonic par Dims. Par Dims? C'est ceux qui ont fait tous les Sonic Advance et Sonic Rush. Je chiale, mais non. En tout cas, bizarre, ouais. Les ennemis mal placés, j'espère que tu parlais de. Des Yakuza. Les ennemis sont mal placés. Ceux de la Mega Drive étaient mieux faits. Je trouve que c'est une tech de JDG, mais bref. C'est une tech de psychodélique. Cyprien, en mode bro, thinks he's on the team. Mon frérot, t'as 45 ans, t'es finito, les jeunes veulent voir le dernier clip de Michou, là. Wesh, un peu de respect sur le nom de Cyprien, quand même, boisson. Et un peu, moi, je trouve que les gens sont méchants, parce que vraiment, j'ai vu la majorité des réactions par rapport au fait qu'il s'est plaint du flop. Tout le monde est en mode... va te faire foutre, de toute façon, plus personne regarde ton truc. T'es en mode, bah, le gars a quand même un métier à continuer à faire, tu vois. C'est vraiment comme dire... Ça sent que genre, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Oui, genre, bah les, voilà, les podcasts, il s'en bat les couilles. Il a le droit de se plaindre aussi. Il veut faire des courts-métrages sur le Japon. Ça, c'est si vous aimez pas Cyprien qui se plaint, bloquez-le sur Twitter, c'est tout. Au lieu de vous insulter. Ouais, peut-être qu'il était chiant, tu vois, mais je sais pas. Genre, peut-être qu'il s'y a... Ouais, il a juste dit. Il trouve ça chiant qu'un podcast de merde fasse peut-être 3 millions de vues plus que son court-métrage, tu vois, je comprends. Oui, il est en mode. Mais, en mode putain. Il est en mode assez dommage, j'ai mis du boulot dessus, tu vois. Mais il était pas non plus casse-couille, enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. C'est un bandeur blanc du Japon, mais bref. Mais oui, poisson, c'est un bandeur blanc du Japon, mais bon. Mais comme 90% des weebs sur internet, c'est bon là. Mais est-ce que c'est parmi les. Faites pas genre que vous êtes mieux que ça, hein, on a tous bandé sur le Japon. De fou. Mais c'est vrai. Genre, y'a pas un ici. Y'a pas moi, un rêve ici. Moi, j'en rêve d'aller au Japon, hein. J'en rêve, hein. Posé dans le club normal, bien sûr. En plus, Cyprien, quand même, du respect pour les moyens et les ambitions qu'il met dans ses produits. Pour et des courts-métrages sur YouTube, les gars, quand même. Hein. Il a envie, quoi, c'est chouette. Puis c'est, il reste du respect internet, pour ça, tu vois. Il je reste que c'est peut-être pas les meilleurs courts-métrages, effectivement, mais. Mais juste laissez mais le respect, faire ce qui t'amuse. Et si vous aimez pas, vous arrêtez de le follow et c'est tout. Moi je trouve qu'il y a un respect à avoir. Je vais le regarder et je vais être en mode ouais bon bah bon, Bandeur blanc
Japon, mais. Ouais, mais t'as pas ta vie. Mais c'est pas grave. T'as pas forcément besoin de donner ton. Oui, je vais pas avoir. Je pense pas que, même si j'aime pas, je pense pas que j'aurai un avis viscéral dessus. Oui. Genre, je vais être en mode. Moi, c'était seul, pas ouf. Le seul court-métrage sur lequel. Le seul court-métrage sur lequel j'ai un avis viscéral de Cyprien, c'est Décide-moi un alien. Je le trouve nul à chier. Ah bon? Oui, il est vraiment pas bien. Parce que la morale est mauvaise. J'ai vu ce qu'il a voulu faire, mais la morale est mauvaise. Alors que c'est censé être un peu mignon, tu vois. Et c'est tout. C'est juste que c'est pas un bon court-métrage, je trouve. Je le trouvais pas très drôle, et pas très visuellement intéressant, et le thème était pas bien exploité, mais c'est tout. Parce que, à la limite, tu en fais juste un gag. Mais en fait, il a voulu en faire une morale. Du coup, il y a une morale à la fin, en mode « Ouais, je veux devenir enseignant », alors que le mec a juste tué une gamine, je pense, un truc comme ça, dans le... Enfin, fait tuer une gamine parce qu'il l'a donné un ami. Regardé tout ce qu'a fait Cyprien. J'ai pas regardé le premier, moi, d'ailleurs, le Japon. Tu l'as pas vu? Japon, non. Bon, on peut le regarder, en vrai, il est chouette. Midori, j'aime bien. Moi, c'est le Midori 2. Mais on peut regarder ça ce soir, après. Vitoche. À voir. À voir. Moi, je veux le regarder. On verra alors. Pas mon pays de rêve, trop de racistes. Moi j'ai envie d'y aller, tu vois. Mais c'est pas dire. Ça, je reconnais. C'est pas parce que t'aimes un pays et sa culture que t'aimes tout. Sur t'as le droit d'aimer, genre, j'ai le droit d'aimer, l'Inde, j'ai envie d'aller visiter l'Inde, mais je sais qu'il y a un caste système de merde, tu vois. Genre, enfin. Je pensais à quelqu'un qui s'appelle Luzo. Oui, parce qu'ils vont en Inde et elles vont en Inde. C'est incroyable. Oui, je sais. Non, mais c'est genre mode. Une énorme partie de ce que j'ai toujours consommé, ce qui m'a influencé en termes d'œuvres culturelles, bah ça vient du Japon, quoi. Donc forcément, ça m'intéresse. Dis bonjour. En plus, c'est un voyage. Bonjour, Kourou 5. Rien fait du Japon, mais moi, mon réel king de voyage, c'est la Suède, ça a l'air trop beau. À mes yeux, t'es un nazi fan de métal. À mes yeux. Qui a dit ça? Poisson. Non, en vrai, c'est Manon qui voulait aller... En quoi encore? C'est quoi le pays de rêve de Manon? Il avait un pays un peu précis, Manon, où il voulait aller absolument. C'est quoi ton pays que tu veux visiter? C'est mince pas... Où est-ce qu'il voulait aller? C'est pas l'Islande? Peut-être. Les Pays-Bas aussi? Oui, ça oui, mais ça il l'a déjà visité, c'est pas son pays de rêve à visiter, tu vois. Bah il a vu qu'Amsterdam. Oui, c'est vrai. C'est l'Islande, j'avais raison. Je l'Islande c'est très fort aussi. Très très beau. J'aimerais bien y aller aussi. Bah après l'Islande c'est un peu le truc... comme le Japon quoi, t'es en mode... tu sais que ça va être beau quoi, si tu vois. J'aimerais bien aller en Taïwan, j'ai faim. J'ai faim. En vrai c'est juste qu'il a giga forcé sur son flop et bon ça va, il a tapé plus d'un million de vues en 11 jours. Puis même j'aime pas son taf, c'est rien qui est correct en termes de producteur, mais à l'écriture c'est mid. Et bref, on va me traiter des grilles. Non, moi j'entends l'écriture mid. T'as le droit, mais juste moi ce que j'aime pas c'est les gens qui sont sincèrement juste méchants avec lui. Genre si tu n'aimes pas son taf, tu te casses et tu arrêtes de le suivre. Au lieu de juste aller le traiter de bébé parce qu'il pleure, genre il a le droit de se plaindre aussi. Tout le monde se plaint sur internet, pourquoi il pourrait pas se plaindre? Surtout qu'à son échelle, oui, il a fait à son échelle par rapport à la prod et l'argent qu'il a mis dedans, il a eu les morts, il a le droit de dire qu'il a les morts, tu vois. Il a le droit de se plaindre, c'est après, ça. Bon, après, je comprends la question. S'il a vraiment turbo forcé en mode putain, j'ai fait un turbo flop alors qu'il a fait un million de vues. Je pense pas qu'il a dit turbo flop quand même. Tu vois. Non, mais ouais, je peux entendre qu'il soit saoulé parce que peut-être que d'autres trucs qu'il fait font beaucoup plus de vues. Et en même temps, je peux comprendre le côté bon, force pas, mec. Ça, c'est un peu position Clyde Vanilla, tu vois. Genre, oui, ouais. C'est un échec par rapport à ce que tu fais à côté en termes de chiffres, mais ça reste bien. Là, c'était bien, ouais. Si on regarde la globalité du truc, tu vois. Avec le Clyde Vanilla, ça tapait 400 000 vues jusqu'au dernier épisode. Hein. Ouais, je crois vraiment que les gens parlaient de flop, alors c'était vraiment bien, Clyde Vanilla. Je vous laisse les sauces, je vais aller dodo, grosse bise. Bisous, Flo. Bise. Bisous. Ah ouais, attends, Flo. Tu veux quoi? Pour les contreparties Tipeee? Pour les... Trois autres, je pense. Je pense que Flo est déjà parti, je vais crever. Yes. On va ça sur Discord. Ah merci. Faisons comme ça. Moi je sais pas si je suis très voyage non plus. J'ai pas envie de voyager dans mille trucs. Moi non plus. Ou alors j'ai envie d'abord d'aller dans plus de trucs en France, tu vois. Moi je préfère. Genre limite j'ai envie de connaître très bien la France. Genre vraiment d'aller dans plein d'endroits. Ouais. Dans plein de villes. J'aimerais bien faire de longs séjours moi. J'ai envie d'aller. Tu t'en branles? Je comprends. Ah. J'ai envie de vivre au Japon, genre, mais pas long séjour, je parle pas d'un an, hein, mais quelques mois. Ma soeur, elle a fait 3 mois en Corée. J'aimerais bien aller en Corée un moment, tu vois, aussi. Oui, moi aussi, quand même. La Corée aussi? Tu viens avec moi? Oui, pourquoi pas? Ouais, retour aux sources. Wow.
Ma soeur, elle adore la Corée. Elle mais j'aimerais bien, à la limite, si un jour je devrais organiser un... Tu sais, parce que je me dis, bon, si je vais au Japon, la Corée, c'est pas loin. Ouais. Autant aller aussi en Corée en c'est même temps. C'est Pringus qui vit aux Philippines, il me dit, le Japon, c'est à côté, du coup, je pourrais aller, je suis en Europe. Mais de fou. Tu sais, tu passes aux Philippines aussi, tu vois. Mais les Philippines, de toute façon, c'est sûr et certain, j'y vais dans les 3 années prochaines. Mais j'ai un peu envie, tu vois, d'être en mode, si un jour je vais en Asie du Sud-Est pour aller à n'importe quelle, à une quelconque situation, que ce soit Corée, ouais. Corée, Japon, autant que je fasse un peu genre, tu sais, j'y passe 2 mois ouais, et je fais plusieurs pays, tu vois. Ouais. Nous, quand on était en Corée, on avait été à une île sur la Corée. Après, il faut l'argent pour faire ça, mais... Oui, moi, heureusement, c'était mes parents qui payaient, mais... Mais ouais, t'as ce truc de... Non, de toute façon, moi, il y a un moment, j'irai genre, je sais pas, une semaine aux Philippines, parce que j'ai un pote là-bas. J'ai comme en Australie. Oui, ça c'est bien. Non, mais ça c'est vraiment pratique. J'ai un pote en Australie, j'ai un pote aux Philippines. Australie, j'y fous jamais les pieds. Je ne touche pas cette terre de fils de pute. Je touche pas cette merde. J'avoue, j'ai peur des insectes. Mais... C'est mort. Mais c'est stylé l'Australie. Non, je vais trouver des araignées dans mes restaurants. Ça suffit. On va me servir une omelette, va y avoir 3 araignées dedans, je te jure. Non. Nique sa mère. Je t'enverrai des photos. D'araignées ? Non, de l'Australie. La Nouvelle-Zélande. Bon, oui, si t'es. Si t'es fan à ce point du Seigneur des Anneaux, quoi. Je suis une merde, hein, vraiment, avis de Kikos. Alors qu'il y a sûrement 1000 trucs à faire et plein de trucs à voir en Nouvelle-Zélande. Mais bon, c'est pareil, il faut jouer un peu le touriste. Si tu vas en Islande, c'est pour aller voir le volcan et le sable noir, quoi. Après, en vrai, hein, moi, parfois, tu sais, quand les gens font des films nordiques de fou et qui vont jusqu'en Islande pour avoir une plage juste de sable noir, alors que... Enfin non, juste pour avoir des rochers un peu stylés, alors ça existe en Bretagne. Bon. Bon, c'est là, hein. 300 km, hein. À peine, de Paris. Et toi, t'es un border de... La France. Oui, t'es un border de la France. Mais la France, c'est faux. Wesh, tu fais 100 km dans n'importe quelle direction, à peu près partout, t'as un autre paysage, t'as autre chose. Ouais. C'est de la folie. Tu m'étonnes que tout le monde nous jalouse. En Belgique, imagine, a... t'habites aux États-Unis. Oui, t'es au milieu des États-Unis et littéralement, 1000 km, un vraiment... Un rayon de 1000 km autour de toi, rien. T'as la même chose. Autoroute. T'as la même chose. C'est, wesh! C'est vraiment déprimant, les États-Unis. c'est vraiment le Ohio du monde. Après, en vrai, je suis sûr, je dis ça, mais tu sais, quelqu'un qui est vraiment attaché à cette terre, il pourrait m'expliquer que si. Il y a des formations rocheuses, il y a des trucs, machin. Oui, des formations rocheuses. Mais nique sa mère, les Américains. Qui ont été défoncées par les colons. Alors qu'avant c'était. Les colons ont pas volé les rochers non plus. Bah le Mont Rushmore, tu crois que c'était acquis? Tu crois que c'était une ah montagne oui, sacrée? Ah oui, mais d'accord, mais ça, c'est une montagne dans. Ouais. Ils ont peut-être cassé des trucs pour aller chercher de l'or. Ah mais... non, mais c'est sûr. Il doit rester des trucs quand même. Mm-hmm. Il y a juste plus les Indiens, ils sont morts. Non, enfin, les Amérindiens. Ils sont encore là. Et c'est non, mais il y en a moins. Oui. Sévèrement. Les pauvres. Terrible. Hein. Bâtards de blancs qui ont volé les montagnes. Hop, c'est à moi. Ça a l'air bon. C'est envoyé. Allez, je file bis. Bis, Flo. Bisous. Je ne sais pas si c'est hyper clair sur les refs, mais la madame est une élémentaire d'eau avec une cape cascade. Ce n'est pas la continuité de ses cheveux. Dit Naval. Quoi? T'as dit quoi? Je ne sais pas si c'est hyper clair sur les refs, mais la madame est une élémentaire d'eau. C'est une cape cascade, ce n'est pas la continuité de ses cheveux. Oh là là, tu fais chier, je rigole. Let's go. Je fous ta gueule. De toute façon, je suis dans mon arc bienveillance à cause des streams de Karim Debbache. Donc je parle soit de rien, soit de manga et de gâchis. Oui, effectivement, moi aussi j'ai regardé pas mal de streams de Karim Debbache. Et il est tout à fait pipou sur ses streams. Il est très en mode, moi je respecte. Même si je ne suis pas d'accord. Qui ça, Karim Debbache? Oui. Il respecte tout le monde et tous. Ah bon? Putain, on a sorti d'ailleurs, il y a un extrait de Karim Debbache qui est sorti de Chroma où à un moment il dit qu'il est en 2023. Ah bon. Nous sommes en 2023. Le futur. Si j'apprends un bail sombre sur Karim, je me suicide. Ah non, mais Coco, Karim, c'est notre père. Hein. Donc si on apprend ça, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Karim, c'est mon daron, c'est comme ça. Wow. Je suis dans ce tiers de parasocial. On rappelle que t'avais dit un truc. Si ça se trouve, il a vu ma vidéo, il l'a détesté. Et je vais avoir la même déception que si mon père ou ma mère m'avait dit « Je ne crois pas en toi, tu es une merde, va-t'en de ma maison. » Je subirais le même type d'émotion. Ouais, je pense que t'es un peu dramatique. C'est mon père, je suis désolé. Mon
mon daron. Mon cousin, mon pote, mon sauce, mon frère. Mon père, celui qui m'a tout appris. Celui qui m'a offert mon premier vélo. C'est Karim. C'est Karim. C'est sacré Karim. C'est lui. C'est lui. Je vous le jure. Il m'a fait une bouteille de soda. Je ne connais pas cet homme, évidemment. Nous sommes dans une relation parasociale. Enfin, nous, je suis. Il ne sait pas qui je suis. D'où le parasocial. Karim m'a donné le sein. Mais bien sûr. Mais il m'a bercé. Il m'a bercé encore, dans mon berceau. C'était Keanu Reeves. Oui. Quel chic type. Tu peux retrouver ce copypastage, je t'en supplie, j'aimerais trop. Oh là, je lis le chat. Retrouvez-le pour moi, chat. Trouvez-moi le copypasta de Keanu Reeves qui donne le sein. C'est tout le début. Tellement très il est très crédible. Oui. C'était pas un Reddit genre. C'était un Reddit genre. Vos meilleures rencontres de célébrités. Ouais, parce que Stole My Mountains, Can't Have Shit. Can't Have Shit in États-Unis. They took my fucking mountains. Le Mont Rushmore, ils ont tout copié à Kishimoto. De fou. Kishimoto. Cette ref à Naruto qu'ils ont nous fait, qui nous ont fait les colons là. C'était trop fan, hein. Ouais. C'est mon Debache, c'est mon Kamina. Je suis son Simon. C'est dur pour lui, mais... Quoi? Non, rien. Oh non, j'ai plus de batterie. La batterie, hein, Oh, mais il faut que j'aille chercher le câble qui est loin. Je vais pleurer. Ah non. Ah non, il est juste là. Ok. Situation est clarifiée. Je pense que t'es un peu dramatique. Je pense que tu t'es laissé beaucoup influencer par Rimis. Il y a que les montagnes qui bougent pas, le pote à Morsaï. Il faut que je regarde la nouvelle collab de Morsaï là. One Morschlass. Ça a l'air trop bien. One Morschlass. J'espère qu'il y a ça dedans. Je le rêve. Je croise tous les doigts. Tous. Tous. Tous les doigts sont croisés. Il est trop stylé les colons quand ils ont fait une ref à One Piece en venant en bateau. Putain. Trop stylé et tout. Trop stylé. Masterclass, le truc, la collab. Bien sûr, Flo l'a trouvé. Ah. Il est en anglais. Tu peux le lire. Je veux que je le traduise. Comme tu veux. Quand j'étais plus jeune, peut-être en première année de lycée, on m'a forcé à regarder. Ah non, on m'a forcé à garder ma nièce de 3 mois pendant que sa sœur allait se faire les cheveux. Et donc, je suis là. Attendant pendant dans le machin d'attente du coiffeur avec ma nièce. Et qui rentre? Keanu Reeves. J'étais tellement nerveux, mais je n'arrêtais pas de le regarder. Alors qu'il lisait un magazine et attendait, mais il ne savait pas, mais je ne savais pas quoi dire. Assez rapidement, non. Si. Ah non, assez rapidement, mais hélas, assez rapidement, ma nièce a commencé à pleurer. Et alors que j'essaye de la calmer, parce que je ne voulais pas qu'elle dérange Keanu, mais elle ne voulait pas arrêter. Soudainement, il se lève et il vient me voir, il vient vers moi. Et il a commencé à passer sa main à travers ses cheveux et à demander qu'est-ce qui allait pas. J'ai répondu que elle était probablement affamée ou quelque chose comme ça. Et alors, Keanu Reeves a posé son magazine, a pris ma nièce, a levé son t-shirt. Et il l'a nourri au sein, là comme ça, au milieu du coiffeur. Putain, quel gars sympa. Chill guy, really nice about it. Quel chic type. J'adore. Le coiffeur, bien joué. Vidéo de l'année, la MMF de cette année. Oh, les gars, vous avez pas trop hâte de regarder plus de tournois Smash comme moi. Je vous jure que j'étais plus investi dans le tournoi. Je suis tellement un geek, j'adore plus. Je boycotte aucun tournoi de Smash, contrairement à la Coupe du Monde. Tu l'as pas boycotté. C'est vrai. Eh, hey, je l'ai regardé en illégalement. Tu veux une médaille? Oui. Je veux la médaille en chocolat là. Je suis désolé, mais c'est comme si je l'avais boycott. Oui. J'ai fait genre 2 tweets dessus. Bon, alors c'est pas comme si je l'avais boycott. Bref. Je pense que je me situe dans un juste milieu. Oui, mais de fou. Genre, je pense que oui. Je pense que c'est ça. T'as raison. Je suis en train de créer des ponts et toi, tu veux juste brûler. Oui. Je vais laisser brûler. Je vais vraiment. C'est pour ça que la gauche ne gagne pas. Tu sais, j'ai décidé d'être d'accord avec ce genre d'avis parce que moi, on m'a déjà dit t'as pas peur de. Des fois, genre, j'ai des discours féministes, mais pas si extrêmes, tu vois.
Ouais. Juste les discours féministes. En fait, je pense que les femmes ont subi pire que ce que les hommes, tu vois. Un truc un peu évident, tu vois. Ouais. Et on me dit, tu penses pas que tu sépares les gens en séparant les gens comme ça, tu penses pas que tu vas créer justement du... Genre, du coup, on me met en position de, tu as tort, et tu as créé de la merde. Tendus, et j'étais en mode... Et du coup, quand on me dit ça, je suis en mode, oui, écoute, je veux créer un monde. Ouais, j'avoue. Il y aura que les femmes d'un côté, que les hommes de l'autre. Allez. Et les non-binaires, ils vont se faire enculer. De fou. Je veux un chewing-gum. T'as des chewing-gums ? Oui, des chewing-gums au fond de pastèque. Tiens. Yo ! Je voulais montrer le chewing-gum en forme de pastèque. Rimis ! Chewing-gum en forme de pastèque. En forme de pastèque. Tu veux ? Ok. Je sais pas si j'en ai d'autres. Tu es de gauche, mais tu joues à Inazuma Eleven. C'est en ref à la Coupe du Monde ? Oui, je pense. Ils sont vraiment bons. Ah, ils ont un goût de pastèque. Bah oui. En bref, à un... La pastèque. Je finis ça et puis on a raté. Mbappé, sous le sunlight des tropiques. Ça fait combien de temps qu'on stream? Les gens peuvent me dire. 10 sunlight. Quoi? Il dit pas sous le soleil. Ah bon? Non, il dit sous le sunlight. Et c'est toi qui avais dit sunlight? Quand tu sais, t'as été voir les paroles? On me l'a appris. Qui? Et puis j'ai réécouté la musique et oui, il dit sous le sunlight. Et? Comment ça, et? C'est incroyable. Non mais attendez les gars, j'ai l'impression que je suis fou à chaque fois que j'en parle. Mais j'en parle à chaque fois que j'entends cette musique. Sous les sunlight, enfin... Je trouve que la musique, elle a pris deux tiers de en haut, tu vois, pour moi. Genre, la musique était ok. Maintenant, la musique, elle est... Il transcende le kitsch. Ah oui, je vois ce que je veux dire. Sous les sunlight des tropiques. Quoi, sunlight? Pourquoi? Ce n'est même pas... Ce n'est même pas normal en termes de... Les sunlight, ça n'a aucun sens. Ou c'est peut-être qu'il dit le... Sous le sunlight des tropiques. C'est fou. Pour moi, c'est iconique. Je peux en parler pendant 2 heures et 6 minutes. Je te le jure. Il fait une référence à Mario Sunshine, oui. 2 heures et 6 minutes. Il dit même pas Sunshine, les gars. Sous le sunlight des tropiques. C'est incroyable. Je suis fan absolu. J'ai envie de la réécouter. Non. L'amour se raconte, musique. Ma viens danser. Hey. Mbappé. Bref. Prends-moi la main. Ça c'est Macron. Prends-moi la main. Main. Mbappé. Putain, Macron, qu'est-ce qu'il voulait baiser Mbappé, hein, Rémis? Que Macron, il voulait baiser Mbappé. Il a là, c'est chouette. Hein. C'était Mbappé? Non, c'était Mbappé. Giroud qui voulait baiser Mbappé. Oui, t'as pas vu la vidéo de Macron qui voulait. Oui, si, j'ai vu. Ouais, mais c'est gênant. Oui, il est vraiment il est en mode. Super. Hein. Et le touche, il a. Par exemple, vous voyez ce que vous ne devez pas faire aux inconnus ou aux personnes de couleur. Exactement. Faire ce qu'a fait Macron, par exemple. Laissez les gens tranquilles. Ne faites pas ça. Aux inconnus ou aux personnes de couleur. Oui. C'est quoi ça? Macron et Mbappé, ils ont la relation Makima Denji. Très insistante. Non, parce que Mbappé, il était pas trop très manipulé. Si, peut-être. Peut-être qu'Mbappé manipule Denji. Flirting, Giroud, Mbappé sexual harassment, Macron. De fou! Alors que la photo avec Giroud. Oui, elle est pleine d'amour. Que de l'amour. Mais enfin, je sais pas, il y a... y a tout dans ce regard, quoi. Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme. Comme Giroud regarde. Comme Giroud et Mbappé se regardent, quoi. Globalement, ne faites rien comme Macron. Oui, si vraiment dans votre vie, vous devriez éviter de faire comme Macron, faites-le. Enfin, si vous voulez devenir président de la République pour faire des trucs de gauche, ok. Et là, vous aurez un point commun avec lui. Mais c'est pas si grave. Le reste, changez un peu. Retirez le dé, quoi. Le geek. Retirez le. Le dé. La courte paille. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Jouez aux 34 vues. Au quoi? Aux 34 vues. C'est quoi le 34 vues? C'est quoi déjà le 34 vues? Je sais même pas. Si, c'est genre. C'est un jeu. Où t'as genre. Un ballon. Je crois que c'est ça. T'as un ballon, t'as un mec, il est censé garder le ballon. Ouais. Du coup, il met le ballon au centre, genre, du terrain de jeu. Genre que ce soit un jardin
un terrain vague, ou n'importe quoi, bref. Enfin, un endroit où les gens peuvent se cacher, globalement, c'est mieux. Et il est là, à côté du ballon, et il compte jusqu'à 34. Et les autres, ils doivent se cacher. Et ensuite, l'idée, c'est que le but des autres, c'est de tirer dans le ballon. Et le but du mec qui garde le ballon, c'est de voir les autres et de dire, en touchant le ballon, 34 vues, toi. Et donc du coup, et de nommer la personne. Et du coup, la personne est éliminée du jeu. Il faut faire ça avec tout le monde. Mais du coup, le jeu, c'est que la personne qui garde le ballon, elle peut pas trouver les gens sans s'éloigner du ballon. C'est compliqué, je t'écoute pas. Du coup, elle est obligée de s'éloigner du ballon pour pouvoir aller voir. C'est une gamelle. C'est pas une gamelle, c'est pas un 34 vues. C'est quoi un 34? Mais je crois que c'est pareil. Gamelle. Je crois que c'est un jeu similaire. Incroyable, le mini-level, merci. J'ai besoin du flow un peu de. Je jouais beaucoup trop avec à ce genre de jeu quand j'étais petit. Ça, c'est Squid Game. En vrai, ce serait fou. 34 vues, les gars. On va s'arrêter là? On a combien de temps de live? 2h11. Ça va, je fais souvent 2h pour mes lives. Allez, on Squid va s'arrêter Game là. Versus... Je vais poster Vitoche. Mister Beast. Hey guys, it's Mister Beast. I've hidden $40,000 in your skin. In your skin? C'est une blague de Maxor. Oublie pas le raid. Qui est-ce que tu vas raid, bro? Ah, tu les postes avant d'arrêter le stream? The stream? Y'a Smash Chou! Ah oui, tu peux raid Smash! Ah oui, je vais raid ça, je Smash. Ou alors Karim Debash. C'est un gris. Non, c'est bon, il a assez de vues. Je pense que ça va, ouais. Je pense qu'il s'en sort. Étant le fait qu'il a créé deux des meilleures émissions d'internet, je pense que les gens le suivent. J'ai sucé. J'ai regretté rien. Muscle. Bah les gars, c'était un stream très sympathique. Il y a un monde où demain oui, je fais un stream. Il y a un monde. Tu vas faire ta pub, espèce de merde. Je suis venu que pour ça, effectivement. D'ailleurs, tu as remarqué que j'ai parlé que de ça. Ah, c'est bien, j'en ai fait 4, c'est parfait, c'est pour un poste. Alors peut-être, peut-être. Mais je pense que là, on va peut-être refaire un jeu en décembre. En janvier. Genre là, je vais peut-être faire un live discute, puis ensuite, on va faire genre un mois entier, on va jouer un truc. Je sais pas quoi. MGS, peut-être. Le truc avec MGS, c'est qu'il faudrait que je le réinstalle et que je rejoue jusqu'au moment où on était. Mais on était un peu loin. Du coup, à voir. Petit stream sur God of War, le meilleur jeu GOTY 2022. Non, Mano, parce que God of War, je le fais moi. T'as pas pris ta save? Si, elle doit être quelque part, mais c'était chiant ton truc. Elle doit être quelque part, elle doit être sur mon ancien ordi. Mais faudrait que je le rallume. Stream Pokémon là. Jamais. Pas une seule fois de ma vie. Je déteste ça. Ce serait nul. En plus, le jeu est à chier. Bref. Subnautica, il texte tout? Non, j'avoue. Ça ne m'intéresse pas. Aucun de ces deux jeux ne m'intéresse. Undertale, bon, je pense que j'en ai assez parlé. Petit Ghost Trick. Non, limite, mais ça, je le ferai pas tout de suite, je pense. Mais il y a Hotel Dusk 2. Un jour, on fera Hotel Dusk 2. Ça va être trop bien. On va pouvoir reparler comme ça. Putain. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et il y a d'ailleurs, il y a une suite spirituelle. À Hotel Dusk qui s'appelle Cold Case Investigation. Genre Chased Cold Case Investigation. Où c'est décidé un jour je le ferai. Et le héros aura exactement la même voix. Ah. Évidemment. Sinon ça n'a pas de sens. Et oui, il y a un 2. Il y a Hotel Dusk 2. Alors il s'appelle pas Hotel Dusk. Il s'appelle quelque chose Window. Last Window, un truc comme ça. Bref, il s'appelle... Kyle Hyde, Last Window, un truc comme ça. Enfin bref, il s'appelle Hotel Dusk 2. Hotel Dusk 2. Last Window, le secret de Cape West. Ce jeu est la suite de Hotel Dusk Room 215. Sorti en 2010. Terrible. Last Window. Je reviens, j'entends Hotel Dusk 2 OMG. Eh bien un jour, pas tout de suite.
Mais un jour sur ma chaîne, on fera Hotel Dusk 2. Cold Case est une toute autre série de jeux d'enquête japonaise à la con qui existe depuis de la SNES. C'est vrai ? Alors attendez, laissez-moi regarder. Cold Case comme la série. Ah, mais alors, est-ce que je me trompe hein? Parce que le studio Sing, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis au revoir. Pardon, excusez-moi, au revoir. Ah si, mais il y en a... Pardon, excusez-moi, mais je dis... Dire que tu vas arrêter, que tu n'arrêtes pas. Il y a un cold case qui s'appelle Chase Cold Case Investigation Distant Memories, qui est effectivement la suite spirituelle, narratively et thématically similar to Hotel Dusk, Room 215 et Last Window, The Secret of the Cape West. Voilà, donc il y a des mecs qui ont fait, qui sont passés voilà. Chez Arc System Works, mais voilà. Bisous ! Bonjour. Allez, faites des gros bisous à Smash, de ma part. Merci beaucoup d'être venu. J'essaie de refaire des 1 don 1 dessin le plus vite possible. Oui, afin de gagner beaucoup de thunes. J'essaierai de refaire des plannings. Oh, mais tu me dois un repas maintenant ? Non, parce que c'est pas 1 don 1 dessin. Quoi ? Mais t'as dit n'importe quel stream. Bah, j'ai pas beaucoup. J'ai reçu aucun don. À part Don qui m'a donné 3 balles. Le nombre de. C'est, de mais je j'ai pas l'argent. Donner. C'est terrible. Hein. Regarde-moi cette l'argent. Pingre. Cette pingre qui veut rien me donner. Bref, bisous. Je t'ai donné 100 bits. Je vais le démonter. Allez, bisous. Je lui achèterai rien. Allez, bye. Bisous.